Donc, on va recommencer. Je disais donc que je me suis basée sur ce livre qui a été écrit par le docteur Alan Hynek, dont je rappellerai qu'il est astronome et consultant scientifique. Il l'a été en tout cas pour l'US Air Force. Philippe Brogniaux, qui est un professeur de sciences, qui a écrit deux bouquins. Et Bob Pratt, qui est un journaliste, qui a été rédacteur en chef du MUFON et qui est l'auteur du livre OVNI Danger. D'OVNI Danger, qui est un bouquin que je vous recommande de lire. Alors, il y a eu une vague d'OVNI dans un secteur, un périmètre très déterminé de la vallée de l'Hudson, et qui se chevauche sur les États à la fois de New York et du Connecticut. Et il y a un événement majeur, c'est-à-dire qu'il va y avoir, depuis les années 50, il y a eu des apparitions d'OVNI là-bas, mais qui ont été rares, pas vraiment répertoriées, et je sais qu'elles existent, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver du détail là-dessus. Donc, bon, mais on sait que ça existe depuis les années 50, mais ça a vraiment commencé en 82, à la Saint-Sylvestre, si j'ose dire, 82. Alors, on se retrouve avec la première le plus grand show, parce que ce sont des shows qu'ont fait ces ovnis-là, hein, dans la vallée d'Hudson. Ça a été fait pour être vu, c'est manifeste, vous allez voir. Ça arrive le 24 mars 1983. Je commence par cette date parce que pour moi, c'est la date qui donne le là de tout le reste, bien qu'il y ait eu en 82, à la Saint-Sylvestre 82, cette apparition. Alors, le 24 mars 1983, ça commence à 20h20. Très exactement. Le poste de police d'une petite ville qui s'appelle Yorktown et qui se trouve dans l'État de New York va être submergé d'appels des habitants qui signalent un immense ovni en forme de boomerang qui se déplace silencieusement et lentement à basse altitude et qui est couvert de lumière rouge, verte et bleue. Donc, c'est la panique à bord. On saura après que nos enquêteurs, les auteurs-enquêteurs, comme je vais les appeler à plusieurs reprises, vont faire une enquête. Ils vont aller dans ce commissariat de police et on voudra pas leur parler en leur parlant de la sensibilité de l'affaire. En fait, on verra plus tard qu'ils ont reçu des ordres. Mais par contre, ils confirmeront qu'effectivement, il y a des dizaines d'habitants qui ont appelé pour signaler cette chose-là. Ils montreront également, ces policiers, aux auteurs-enquêteurs, des rapports avec tous les témoignages de gens qui ont vu les choses. Alors, après cette histoire, la police va diffuser un communiqué qui va rester dans les mémoires sceptiques, si je puis dire, en disant qu'il s'agissait probablement non pas d'un ovni, mais de formation d'avions ou d'ULM, qui évoluait donc à basse altitude, et la police dira: ah ben oui, mais on ne savait pas qui étaient les pilotes. Bon, enfin, bref, c'est un gros mensonge, si je puis dire. Et bon, il y a quand même des policiers de la ville de North Yorktown qui ont vu ces choses-là de leurs yeux et qui diront aux enquêteurs: on sait très bien que ce n'est pas des avions en formation. Hein, voilà. Alors, l'engin va rester en vol stationnaire au-dessus d'un policier de Yorktown. C'est quand même fou. Le policier va être aux premières loges pour le voir, et ce policier dira que les avions ne font pas du surplace, donc c'est vraiment un ovni. Et donc, la presse locale devrait réagir. Eh bien, à partir de là, elle va un poil réagir. Mais par rapport à ce qui s'est passé avant ce 24 mars 1983, elle n'a pas vraiment démarré. Ça va être très lent. Et les chaînes nationales, avant de se manifester, ça va mettre beaucoup de temps. Ça sera une omerta. En tout cas, on ne saura jamais combien de personnes ont été témoins de cette soirée ovniesque du 24 mars 1983, qui a duré quand même 2 heures et demie. Alors, dès 1982, comme je vous l'ai dit, il y a eu quelques apparitions, et puis va y avoir cette apparition de la Saint-Sylvestre. Alors, pour ce qui est des apparitions, on va surtout les voir dans le comté de Westchester, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au nord de New York, à quelques dizaines de kilomètres plus exactement. Moi, je dirais que c'est plus d'une centaine de kilomètres, mais enfin bon. Et ça, c'est dès la fin de l'année 82. Alors, qu'est-ce que voient les gens d'abord? Des lumières,
qui dessine un V, mais un immense V, ou parfois un boomerang. Mais au départ, ce sont surtout des V qu'on va voir. Mais c'est absolument gigantesque, de la longueur d'un, voire plus, de terrain de football. Alors certains compareront, parce que ça vole, donc on compare à un avion, compareront à la taille d'un Boeing 747, par exemple, ou à plusieurs Boeing 747. Souvent, les gens auront l'occasion de l'observer assez longuement, parce qu'il prend son temps, l'OVNI, quand il se déplace. Hein. Il n'y en a pas qu'un, d'ailleurs, à mon avis. Donc, il prend son temps, des fois, il ne va pas à plus de 15 km/h. Et puis, il s'arrête. Et puis, il est très bas. Des engins aussi monstrueux vont parfois passer au-dessous de la barre des 100 mètres d'altitude. Et comme ça se passe à Westchester, c'est cette première apparition grandiose qui va durer toute la soirée, on baptisera cet ovni le boomerang de Westchester, qu'on va voir également dans le Connecticut. Donc, la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, qui est chargée du contrôle aérien et de la surveillance aérienne civile des États-Unis, va commencer à faire l'andouille, c'est-à-dire qu'elle va nier toute existence d'OVNI, et ça du début jusqu'à la fin, hein, dans le ciel du Connecticut et l'État de New York. Elle dira que ce sont des formations, des blagues, des formations du LM, des petits avions, enfin bon, bref, voilà. Donc on en arrive, on va repartir en arrière, on arrive au 31 décembre 1982, qui est vraiment le point de départ de tout cela. Ce soir-là, vous avez un officier de police à la retraite qui a pris pour pseudo Valor auprès des enquêteurs, qui s'installe avec sa famille à Kent. Donc, il inaugure sa nouvelle maison, il a décidé de casser contre un mur de la maison pour l'inaugurer comme un bateau, une bouteille de champagne, et c'est en se relevant sous un peu les récriminations de sa femme qui lui dit que c'est n'importe quoi de casser une bouteille de champagne contre le mur, la maison neuve. Bah, il va se relever, puis il va voir quoi ? Il va voir un groupe de lumières dans le ciel, des rouges, des vertes, des blanches, qui se déplacent, mais très lentement. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un avion qui vole à très basse altitude, mais c'est vraiment très, très lent. Puis ça vole très, très bas, donc il est inquiet. Mais surtout, ce qu'il surprend, c'est qu'il n'entend aucun bruit de moteur ou de réacteur. Il n'y a rien, rien. Il hurle à sa femme, il dit, c'est pas logique. Donc il hurle à sa femme, va chercher ma caméra. Elle revient avec, mais... lorsqu'elle va venir avec l'appareil, les lumières se sont rapprochées et elles sont presque à côté de la maison. Et elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, dira le témoin. Elles font partie d'une structure immense en forme de boomerang ou de V. Et il va percevoir à ce moment-là, ce qu'il ne percevait pas avant, un sourd bourdonnement, mais qui a une influence très bizarre. Vous avez déjà été à un concert où les baffles marchent à fond, vous avez l'impression que ça tremble dans votre poitrine. Mmh. Ben, c'est exactement ce qu'il ressent, voyez. Donc il va filmer l'avion, enfin l'engin, qui n'est pas un avion et qui passe à une altitude d'environ 50 mètres, c'est immense, c'est ça, 50 mètres d'altitude au-dessus de son habitation. Et toutes les lumières de cet engin vont s'éteindre d'un seul coup à ce moment-là. À la place vont se rallumer trois grosses lumières blanches qui sont disposées en triangle, c'est-à-dire sur la base de l'OVNI, hein, qui est la pointe, et puis sur les deux autres pointes. Et là, il n'en revient pas, il a tout filmé, et quand les enquêteurs auteurs verront cette vidéo, hélas, on ne voit pas la forme de l'objet, on voit uniquement les trois lumières blanches, mais rien de plus, les lumières colorées, on ne les verra jamais. Il va y avoir un dénommé Hansen, qui vit également dans la même petite ville de Kent, qui verra également cette chose-là. Il roule sur une autoroute, et d'un seul coup, son attention est attirée parce qu'il croit être un hélicoptère, parce qu'il voit des faisceaux de lumière blanche qui balayent le sol. Tiens donc. Donc, ça l'intrigue, il se gare sur le bas-côté, et il va s'apercevoir qu'il n'est pas le seul, parce qu'il y a des tas de voitures qui font la même chose. Et il va dire que c'est ce qu'il est en train de voir à ce moment-là. C'est un gigantesque boomerang qui ne plane pas plus haut qu'une trentaine de mètres d'altitude et qui remplit mais totalement le ciel, tellement c'est énorme. Il est pris d'une crise de panique, le pauvre. Il est dans sa voiture, il se met à klaxonner comme un fou en ayant un peu l'espoir délirant que bah, ça fera fuir la chose. Hein. La lumière qu'émet l'OVNI est blanche, terriblement aveuglante à tel point qu'il est obligé de se cacher les yeux. Et il hurle comme un fou furieux, complètement paniqué, terrifié.
Et c'est à ce moment où il est au paroxysme, on peut dire, de sa terreur, qu'il va se produire quelque chose de curieux. Il va avoir comme une communication avec l'engin, dira-t-il. Il dira très exactement, j'ai ressenti des pensées qui n'étaient pas les miennes, et une sorte de voix m'a dit de ne pas avoir peur. Et il ne sera pas le seul, vous le verrez, au fur et à mesure que je développerai des témoignages, à avoir eu cette forme de communication très particulière. Excuse-moi, Elisabeth, juste une chose, j'ai coupé à tout pour tout le monde les commentaires, voilà, pour ne pas être pollué par qui tu sais. D'accord. Donc, il ne sera pas le seul à rapporter ce type de communication très particulière, insolite. Et après que l'engin l'ait survolé, il va voir son puissant faisceau de lumière s'éteindre. Et d'un seul coup, l'OVNI s'en va. Il glisse dans la nuit et on ne le voit plus. En quelques secondes, on ne le voit plus. Et il va y avoir une première nuit au mois de février, celle du 26 février 83. C'est toujours en début de soirée, vers 20h, que ça commence. Et il y a une madame Monique Audriscoll, donc j'aurai l'occasion de reparler en fin d'exposé, qui travaille dans une clinique psychiatrique à Brewster. Et elle est en voiture, elle est avec sa fille. Et les deux femmes bavardent, enfin, il y a une ado et une maman, hein, et elles écoutent la radio. Et d'un seul coup, voilà que le poste de radio grésille. Donc elle l'éteint. Et juste à ce moment-là, sa fille lui fait remarquer qu'il y a des drôles de lumière dans le ciel. Surtout sur une petite colline. Alors sa mère lui dit, mais non, il y a certainement une maison là-haut. Et la gamine, non, je sais qu'il n'y a pas de maison, il n'y a rien du tout. Et ces lumières, elles sont nombreuses. Il y en a une bonne cinquantaine, ce n'est pas un petit truc. Et ça va se déplacer lentement dans le ciel, au-dessus de la cime des arbres, ça vole très bas. Madame Driscoll est absolument sidérée, et on ne sait pas pourquoi elle décide de suivre tout ça. Il y en a beaucoup qui font la même chose. Et à un moment, le groupe de lumière va se diriger très lentement vers le petit lac de Carmel. Alors, vous verrez au fil de mon exposé que ces engins sont particulièrement attirés par les lacs, par les étangs, même des petites surfaces. Ils y vont et il se passe des fois des drôles de choses. Et cette région est infestée de lacs et de réservoirs avec des barrages de retenue. Et des fois, bah, vous allez voir qu'il se passe des trucs un peu bizarres. Et c'est là que Mme Driscoll va voir précisément cet engin qu'elle a suivi se mettre en station immobile au-dessus du lac. Et à ce moment-là, toutes ces lumières vont se mettre à clignoter anarchiquement, comme un stroboscope, vous voyez, ça clignote. Il y a des rouges, il y a des bleus, quelques-unes de couleur orangée, et ça clignote. Et au milieu du boomerang, elle dira qu'il y avait une sorte d'énorme phare orangé. Et que tout ceci, cet allumage, ce feu d'artifice de lumière, était absolument féerique parce que ça se reflète sur le lac qui est gelé à cette époque-là. Et c'était absolument magnifique. Et puis, ça va durer quelques minutes, au bout d'environ 3-4 minutes, c'est ce qu'elle estime, eh bien, l'engin va se mettre à reculer, alors qu'il était totalement immobile. Et elle, Madame Driscoll, est désolée. D'un seul coup, elle ressent une tristesse. Et mentalement, elle a dans sa tête, oh, « Bon non, vous n'allez pas partir, j'ai encore envie de vous voir. » Et au moment où elle pense ça, l'engin s'arrête net, fait une manœuvre, se retourne et vient en direction de la voiture. Sa fille est totalement effrayée, elle hurle de peur, elle est persuadée qu'on va les enlever. Madame Driscoll est partagée, elle a ce désir intense de voir cet engin et en même temps, elle est terrifiée à l'idée de le voir arriver, quoi. Elle est hypnotisée, dira-t-elle, et elle ne veut surtout pas le quitter des yeux. Et finalement, sautant dans sa voiture, parce qu'elle en était sortie, eh bien, pour ne pas le perdre de vue, très étrangement, et en pleine nuit et dans le noir, la voilà qui va partir en marche arrière. Elle va poursuivre cet engin en marche arrière, mais pas sur 100 mètres. Ça va durer un moment. C'est vous dire à quel point ces trucs-là sont capables de vous faire des choses, faire des choses délirantes. Un moment, elle va quand même se garer sur le bas-côté, sortir de sa voiture, parce qu'elle avait une maison en contrebas. Et là, frénétiquement, elle va se mettre à klaxonner dans l'espoir que les occupants de la maison vont sortir. Ceux-là ne vont pas sortir, ils vont rester terrés chez eux. À la place, ils vont appeler la police du coin. Elle va également croiser 4 jeunes qui sont surexcités de voir ce truc-là à bord d'une voiture, qui est une autre voiture qui va s'arrêter. Elle connaît la conductrice, qui est une certaine Rita Rivera, qui témoignera elle aussi plus tard, et elles vont observer l'objet qui va soudain se mettre à se balancer, comme ça,
C'est assez curieux. Puis d'un seul coup, il va partir lentement. Les deux voitures vont le suivre. Et à peu près à 1,5 km, il plane au-dessus de la route. Il va prendre un peu d'altitude. Puis pof, plouf, plus rien. Rien. Comme s'il n'y avait jamais rien eu. Donc Mme Driscoll dira que ses dimensions étaient d'une 60 mètres sur 100, ce qui est quand même pas un petit truc, que jamais elles n'ont perçu le moindre son, alors qu'il était vraiment à côté d'elle. Hein. Et elle dira que quand il les a survolées, elle a aperçu sous la base de l'avion une sorte de pont avec des métaux, enfin des sortes de tubulures, de tubes, des entrecroisements de métaux, enfin, c'est assez curieux. Et son amie Rita Rivera, donc qui l'a suivie avec sa voiture, a dit qu'elle l'a vu stopper au-dessus d'un étang. Mais quand elle a vu ça, elle a eu peur et elle a observé tout feu éteint pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, elle ressentait, elle, une très grande peur. Alors, voilà, c'est une aventure qui est quand même pas mal, mais on va retrouver un peu plus tard cette Madame Driscoll parce qu'il y a une suite. En tout cas, l'engin va poursuivre son chemin, il va se diriger vers le Connecticut, qui est à peu près une quinzaine de kilomètres de là, et il va aller vers la ville de Danbury, qui est une ville qui va être extrêmement fréquentée par ces engins-là durant la vague. Quelques minutes après l'observation de Monique O'Driscoll, un certain Herbert Pottefoot, qui est professeur dans la ville, circule en voiture avec deux amis qui sont pour eux deux des contrôleurs aériens. Vous voyez, on ne peut pas tomber mieux. Il est en train de quitter l'Interstate 84 pour aller vers Danbury, quand d'un seul coup, tout le monde voit des lumières colorées qui volent très très bas et qui très vite se rapprochent. Les hommes constatent qu'il s'agit d'un très grand vaisseau en forme de boomerang. Pottefoot se gare sur le bas-côté, ils sortent du véhicule, l'engin les survole et il va même s'arrêter à leur verticale, comme pour les regarder, les observer, 300 mètres d'altitude. Aucun son n'est remarqué à ce moment-là. Et ils verront que les lumières semblent rattachées à une structure solide, mais ils n'arrivent pas trop à voir parce que c'est très, très lumineux. Hein. Mais quand ils auront à témoigner, tous ces gens, et notamment les contrôleurs aériens, ils diront qu'ils avaient vraiment l'impression d'être replongés dans le film « Rencontre du troisième type hein. ». Et il y a des contrôleurs qui diraient avoir pensé que c'était peut-être un appareil expérimental de l'armée, mais en se posant la question de savoir pourquoi l'armée, si elle a des avions expérimentaux de cette nature-là, les fait dans une région aussi populaire, aussi peuplée, ça n'a pas de sens. Hein. Dès le lendemain, des dizaines de personnes, peut-être des centaines, vont commencer à parler entre elles de cet événement. Et elles vont commencer à rentrer en contact avec Hynek, Imbrogno et Pratt. Et avec d'autres enquêteurs qui se sont joints à eux. Et on saura, évidemment, au cours des enquêtes, que la police de Danbury a été, elle aussi, complètement harcelée au téléphone par les habitants, mais cette police de Danbury refusera catégoriquement de coopérer avec eux. Et il y a un flic qui leur dira au téléphone, de toute façon, les gens sensés ne voient pas d'OVNI et n'y croient pas, comme ça au moins. Et là, à nouveau, silence radio, les médias ne communiquent pas, elles n'en parlent pas. Ça sera plus tard. Alors, il va y avoir des observations au mois de mars, et c'est vraiment durant ce mois de mars 1983 que ça va chauffer, si je puis dire. Et ça va se multiplier dès le 17 mars, sur les territoires de communes bien précises, celles de Carmel et Brewster dans l'État de New York, et à Danbury et New Fairfield dans l'État voisin du Connecticut. Donc, c'est tout près à vol d'oiseau, hein. Et il y a une jeune mère de famille qui s'appelle Linda Nicoletti, qui vit à Brewster précisément, vers 20h40, elle regarde par la fenêtre et là, qu'est-ce qu'elle voit? Un truc immense qui survole l'Interstate 84 qui se trouve à 100 mètres de chez elle. Hein. Elle voit vraiment comme aux premières loges. Et ça se rapproche de son habitation. Elle se dit, c'est quoi? C'est un avion, ça? Et elle pense qu'il va se crasher. Alors elle ouvre la fenêtre et là elle voit tout de suite que c'est pas tout à fait ça parce que c'est très lent au niveau du déplacement, ça ne fait aucun bruit de réacteur et surtout ça n'a pas du tout l'apparence d'un avion, c'est une forme de V immense avec des rangées de lumière toutes les couleurs, tout ce qu'on voit comme d'habitude avec une grosse lumière au milieu très brillante. Et là, ça va changer de cap et ça va se diriger plutôt vers l'habitation de Denis Sant qui est son voisin le plus proche et elle le voit celui-là qui est descendu dans le jardin. Alors l'engin va passer au-dessus chez cet homme et donc elle voit Denis Sant qui est dans le jardin en train de frétiller, sauter en l'air, courir après lui, enfin bon. Et il va s'arrêter, l'engin, cet immense engin au-dessus, est complètement à la verticale de ce voisin. Et elle va voir qu'il va être
éclairé totalement par une lumière très vive qui est mélangée. Et tout le paysage alentour est éclairé. On y voit comme en plein jour. Elle va voir également sur l'autoroute, qui n'est pas très loin, à une centaine de mètres, peut-être même pas, les voitures qui sont garées, qui observent. C'est fou. Donc elle appelle la police qui est submergée d'appels, et il y a une standardiste qui lui dira que bon, ça, c'est certainement un appareil expérimental qui vient de la base aérienne de Stewart, qui n'est pas très loin, et que voilà. Quand les enquêteurs viendront plus tard interviewer la standardiste, elle dira qu'elle n'a jamais dit rien, elle n'a jamais dit ça. Circulaire, il n'y a rien à voir. Bon. Monsieur Sands sera aussi interrogé par Heimek et compagnie, et il n'est pas chaud pour raconter ce qu'il a vu, celui-là. Il y a une raison à cela, il est adjoint du greffier de la juridiction du comté de Putnam, et il n'a pas trop envie, comme c'était un petit notable, d'être mêlé à des histoires de vie. Mais enfin bon, il finira par se laisser convaincre, et il expliquera que ce soir-là, vers 20h40, alors qu'il revenait d'une une réunion religieuse non loin, avec ses deux fils, âgés de 6 et 9 ans, quand il est approché de son habitation, il a vu cet énorme bazar qui survolait l'interstate à quelques quinzaines de mètres d'altitude. Il est complètement stupéfait, il se précipite dans la maison, il met ses enfants au lit et il fonce dehors, et c'est là que sa voisine va le voir. Il y a son père qui était dans la maison, qui va sortir aussi à un moment avec lui. Et puis, il va observer, une fois qu'il est dans le jardin, avant que l'OVNI ne vienne vers lui, une scène absolument ahurissante. Lui aussi a la vue directe sur l'interstate voisine. Et qu'est-ce qu'il y a? Il voit passer un camion, vous savez, ces gros camions américains. Et au-dessus du camion, qui roule quand même pas très vite, mais quand même à une certaine vitesse, que voit-il? Cet immense objet volait à 6 mètres au-dessus du toit du camion, donc presque à le toucher. Et le conducteur doit s'en apercevoir parce qu'il va se garer en urgence sur le bas-côté. Et les automobilistes qui voient ça, des deux côtés, sur les deux voies, se garent à toute vitesse. C'est un truc complètement ahurissant. Et cet ovni va rester un petit moment au-dessus du camion. Et puis, on va assister à quelque chose d'absolument ahurissant. Cet avion, ce truc va lancer, si je puis dire, sur le camion, une sorte de faisceau incroyable qui va complètement envelopper le camion. C'est complètement fou. Et une fois que ce faisceau disparaîtra, eh bien, le camion va partir à toute vitesse, comme si le chauffeur avait été profondément effrayé de tout ce qui s'était passé. Et ça va se faire devant des dizaines de personnes. Et cette ovni va repartir plan-plan à la vitesse d'un dirigeable. 2-3 minutes plus tard, il a filé et on ne le voit plus. Et il aura lui aussi, il dira qu'il a un regret de le voir repartir, ce qui est quand même assez curieux. Vous avez un homme qui s'appelle William Durkin, qui circulait à ce moment-là sur l'Interstate 84, qui était un pilote privé d'ailleurs, lui aussi a pensé à un avion de ligne qui était en difficulté, jusqu'à ce qu'il voit ce qui se passe, et lui va également rapporter ce qu'il a vu sur le camion. Le faisceau émis par l'OVNI, qui éclaire le poids lourd avant de s'éteindre, et le poids lourd qui s'en va à toute vitesse. Donc il y a plusieurs témoins qui ont vu ça. Et puis les lumières vont pivoter, et puis on ne va plus voir le truc. Alors, il ne va pas se passer des choses comme ça à cet endroit-là. Ce soir-là, à Bedford, dans le comté de Westchester, qui n'est pas très loin, l'engin va être signalé une première fois à 19h30. Un témoin qui s'appelle Hunt Middleton, qui se trouve à Bedford, va le voir. Il le distingue à travers des branches d'arbres dénudées. Il voit d'abord des lumières, hein, c'est comme ça toujours que ça commence avant qu'on voit l'engin. C'est brillant, ça clignote. Je dis que Bedford, c'est à peu près 20 km de la zone précédente. Hein. Et puis cet engin va se déplacer, on le verra à Carmel, qui se trouve à 16 km de là. Et c'est un certain Steve Whittles, qui est ingénieur informatique, qui va le voir pendant une minute. Il va décrire des lumières rouges et blanches qui forment un demi-cercle. Cette fois, c'est pas du tout, ça n'a pas la forme du tout habituelle, c'est un demi-cercle dans le ciel sombre. 5 personnes d'une même famille le verront également, dont un docteur qui s'appelle le docteur Greenman.
Et en fait, lui refusera formellement, lui pour lui, ça, il ne veut pas entendre parler de ça, les amis, ça n'existe pas, c'est sa femme qui témoignera auprès des auteurs enquêteurs. Ils étaient en train de regarder la télé, quand d'un seul coup, ils voient par la fenêtre ses lumières, ils sortent pour voir, ils voient un truc absolument gigantesque. La dame va chercher des jumelles, et elle va pouvoir observer à sa guise cet immense bazar. Elle voit des lumières alignées qui semblent dessiner un zigzag, une partie métallique qu'elle décrira comme étant de couleur vert terne, qui est visible entre les lumières, et puis ça va émettre un faisceau de lumière blanche au centre, et va de là descendre un petit objet rouge qui va s'en échapper et foncer en direction du nord. Serait-ce un vaisseau mère qui lâche des sondes ou je ne sais trop quoi. Mais enfin bon, voilà ce qu'elle va voir, cette femme de médecin. Après cela, le faisceau rouge va s'éteindre, le grand V va s'éloigner, et il va disparaître. Mais ce n'est pas fini. Le même soir, dans le comté de Westchester, dans le secteur de Millwood ou Yorkton, un certain John Linder sort de son travail et doit se rendre à Croton, qui se trouve plus à l'est, hein, plus à l'ouest. Et alors, Croton, c'est vraiment l'endroit où ça va se bousculer au portillon, y compris sur un lac qui est juste à côté, c'est une retenue de barrage. Hein. Alors celui-là, il rentre chez lui, il est sur la route 130 et il va en direction de la Taconic Parkway. Alors là, vous allez voir que cette route, c'est carrément le hotspot. Et d'abord, John Linder, c'est une femme, hein, c'est pas un homme. Donc elle voit un groupe de lumière qui part vers l'aéroport de Westchester. Elle dit c'est un avion, sauf que l'avion, d'abord il a des feux qui sont inhabituels et puis surtout, qu'est-ce qu'il vole lentement? Il devrait décrocher à cette vitesse-là. Puis, alors là, la cerise sur le gâteau, les lumières s'arrêtent net et la chose change de direction. Donc, ce n'est pas un avion. Elle va le voir mieux après. C'est un grand V, là encore, orné de lumière blanche, très brillante, qui va la suivre. Parce qu'à partir du moment où elle l'observe, le truc vient vers elle et la suit. Et à une intersection, il y a un feu rouge, elle est au stop. L'engin va accélérer à ce moment-là, exécuter une manœuvre en arc de cercle. Et il va venir se positionner exactement en vol stationnaire juste au-dessus de sa voiture. Il est à quelques centaines de mètres d'altitude. Et à ce moment-là, ses lumières vont virer du rouge au blanc, non, du blanc au rouge, et elle se dit « je suis observée ». Et elle est terrifiée. Et lorsqu'elle va redémarrer quand le feu passe au vert, le truc va repartir immédiatement pour aller survoler cette fameuse Taconic Parkway qui est dans le secteur de Millwood à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'un certain Ed Burns, qui a été interviewé longuement par nos enquêteurs, circule sur cette route. Et lui, il voit déjà des lumières assez blanches et très brillantes, et il voit l'engin très vite. Et il voit surtout des tas de gens qui sont garés sur les deux côtés. Et donc, il va s'arrêter. Donc, il voit un truc qui se positionne au-dessus de sa voiture. Lui aussi, il y a droit. Et il voit toutes ces lumières qui sont multiples. Certaines s'éteignent, certaines se rallument. Et l'objet qui se balance doucement. Et il se dit, comme les autres, j'ai le sentiment d'être observé. Et tout le monde, la plupart des gens diront ça quand c'est assez au-dessus de d'eux. Donc tout ça, ça va durer une ou deux minutes. Il dira que c'était tellement immense que c'était comme une ville volante, tellement c'était lumineux et gigantesque. Et puis, il y a quelque chose qui va le frapper, et ça n'arrivera pas qu'à lui. À plusieurs reprises, des gens diront, comme ce monsieur, que l'OVNI était là, et d'un seul coup, en une fraction de seconde, il était vachement plus loin. C'est comme si il passait sur un plan parallèle pour aller beaucoup plus loin, ou alors... Comment expliquer ça? Pardon? Il y a un saut, comme dans la science-fiction. On ne le voit pas sauter, il est là et il est là-bas. Voilà. Donc ça, ça va vachement l'impressionner. Il y a des gens qui diront à propos de ce vaisseau avoir vu un faisceau de lumière blanche éblouissante qui a été émis à ce moment-là par la base de l'engin et qui va se concentrer sur des véhicules en mouvement ou garés sur le bas côté. Et au même moment, dans une petite ville proche qui s'appelle Yorktown, il va y avoir une agitation. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a un ovni gigantesque, très lumineux, qui survole le centre-ville. Et là, les habitants, ils sont là. Ils regardent, il y a un officier de police qui est là, qui s'appelle Kevin Soravilla, qui croit que c'est un avion qui va se crasher, lui aussi. En fait, il voit tout de suite que ce n'est pas ça, quand il va voir l'avion pivoter à 180 degrés avant de s'éloigner dans une autre direction. Alors lui, il est dans ses petits souliers, il contacte aussitôt son QG, ses collègues lui disent, on est au courant, hein. c'est un peu la panique, parce que tout le monde nous appelle, tout le monde nous appelle, quoi.
Et là, c'est la panique dans cette petite ville de Yorktown. Parce que comme c'est au-dessus de la ville, c'est quand même une heure assez tôt dans la soirée, eh bien, personne ne circule plus en ville. Tout le monde a la voiture dans tous les sens, tout le monde est sorti de sa bagnole au milieu de la rue pour le voir, tout le monde est garé n'importe comment, et on n'avance plus. Et à ce moment-là, mais un peu plus loin, circule Bill L., qui est le responsable météo du secteur. Et lui, il est près de l'aéroport du comté de Westchester. Et lui, il va le voir aussi. Alors lui, il a l'habitude de voir le ciel. Il sait ce qu'il y a, il sait ce qu'il y a, un avion et autre chose. Et là, bah, il voit le truc et il dit, c'était gros comme un porte-avions. Il va s'arrêter pour observer mieux. Il voit des lumières très brillantes qui se déplacent très lentement et qui viennent vers lui. Et il dit que ça se déplaçait à peu près à 600 mètres et que c'est descendu en moment brutalement jusqu'à 300. Et ça, ça l'intrigue complètement, parce qu'il voit des lumières qui se déroulent à l'intérieur de Trump. Il va regarder, parce que comme c'est quand même assez près et que c'est très gros, à un moment, il voit comme s'il y avait un prisme à l'intérieur de ces lumières qui tournaient à l'intérieur et ce qu'il faisait changer de couleur. Et à un moment, toutes ces lumières situées sur un axe horizontal vont s'éteindre d'un seul coup. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Plus rien, sinon le ciel étoilé. Même pas la silhouette sombre de cet immense bazar. Ça se déplace dans le ciel étoilé, on ne voit même pas une masse qui se déplace, alors qu'un ovni éteint, on peut distinguer une masse. Là, il n'y a rien. Et là, ce météorologue va être effrayé, dira-t-il. Il attend la suite, évidemment, et là, il ne va pas être déçu du voyage, parce qu'il va y avoir un immense flash. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de lui ? Le bazar. Les lumières se sont toutes rallumées d'un coup, et là, il est persuadé qu'il va se faire enlever. C'est à 300 mètres de haut, il y a des lumières multicolores, ça fait comme une sorte d'arc-en-ciel, il y a déjà eu cette description, et ça va rester une douzaine de secondes au-dessus de lui qui vont lui paraître très longues. Toutes ces lumières, il a l'impression que c'est dirigé vers lui, il a l'impression que c'est concentré même sur lui, ça va virer au vert vif, comme le vert des lettres d'ordinateur à l'époque, vous vous souvenez, ils avaient tous des... Tous les écrans avaient des lettres vertes, vous voyez, ben, c'est ça. Ça l'a complètement effrayé, cet homme-là. Là, vraiment, il a été très, très remué. Puis, il va y avoir un autre témoin, qui est digne de foi aussi, qui va donner des informations précieuses aux enquêteurs. Il s'appelle Dennis Fleming. Ce mec-là est président d'une compagnie qui est spécialisée dans le traitement d'informations. Il a travaillé en aéronautique, et notamment dans les systèmes du contrôle de trafic aérien. Donc, il connaît la partie. Hein. Et celui-là va à Croton Manor, toujours ce coin de Croton qui sera... On le saura très fréquenté. Il est sur cette fameuse Taconic Parkway quand il voit quatre lumières à l'horizon. Et là, il voit approcher très vite, alors que ça a l'air de se déplacer très lentement, paradoxalement, un immense engin. Pas de son, même quand c'est proche. Il va le perdre de vue. Ah, il se dit, tiens, il a fait que passer. Ben non, parce que quand il arrive chez lui, le truc est là, au moment où il se gare. Et là, il va percevoir un tout petit bruit, léger. Il dirait que c'était... très très subtil et que ça faisait comme le bruit d'un ronflement de moteur de bateau, mais très atténué. Et donc, bah voilà, cet ovni va se balader, il va faire un petit crochet sur le territoire, il va aller voir une ville qui jouxte Croton, qui s'appelle Ossining, et là, il y a un tout petit lac, j'ai vérifié, parce que moi je vérifie au fur et à mesure sur Google Maps, vous voyez. Il n'y a qu'un seul petit lac près du centre-ville, mais vraiment 300 mètres de long, pas plus, hein. Et il promène son chien, c'est un comptable d'hôpital de la ville, et une lueur le fait se retourner. Il voit comme son ombre qui se projette sur le sol, il dit « c'est quoi ça ?» Et là, il découvre ce truc monstrueusement grand, avec des lumières blanches très brillantes. Il dit que ça, c'est aussi grand qu'un Boeing 747, ça survole un arc tout proche, mais c'est à seulement quelques mètres de la cime. Il faut quand même se rendre compte de ce que ça fait. Il est stupéfait. Et alors, ce qui est très amusant, contrairement à ce qui peut se passer d'habitude, son chien fait comme s'il ne voyait rien. Il continue à faire sa petite balade de chien, il renifle à droite et à gauche, il lève la patte, et c'est comme s'il ne voyait rien. Pas du tout agité, le clébard. Bon, soudain, les lumières vont tourner très lentement, comme si elles se trouvaient sur une roue. Et c'est très beau. Ça effectue un virage très serré. Et il n'en revient pas. Et le truc va partir au milieu du petit lac, très, très petit, 300 mètres de long, hein, et il va s'immobiliser. Et là, toutes les lumières vont s'éteindre, sauf une verte. Puis l'engin, plouf, plus rien. Disparu, évaporé.
20h45, John Picon, qui habite à la Perry Yorkton. Il a travaillé pour l'aérospatiale, donc il se connaît un peu sur ce qui se balade dans le ciel. Lui voit un boomerang avec sa fille, sa femme et son fils, et ça se dirige vers son habitation. Il pense à un avion, lui aussi, et puis ça ne se déplace pas du tout comme un avion, puis ça n'a pas de bruit, ça ne fait rien. Il sent vaguement un petit son vague et faible, mais rien à voir avec le bruit d'un avion, ça se déplace lentement, ça s'en met d'altitude, et c'est là qu'il va voir, c'est un boomerang, que les lumières du bras droit semblent se détacher de lui. C'est comme si il se désagrégeait. Et puis, ce bras va reculer, puis ça, comme l'ovni d'ailleurs, ça va reprendre sa place au bout de 10 ou 20 secondes. Donc, quelque chose d'assez surprenant. Et puis, un publicitaire qui est à 1 kilomètre de là, bah, lui, il va avoir la même chose. Il va être survolé par cet ovni en V. Il se percevra un tout petit bruit de moteur. Et quand il va arriver chez lui, bah, la famille est stupéfaite parce qu'elle voit aussi le truc. Mais surtout, là, c'est le chat. Si le chien du monsieur autour du lac n'avait pas mouffeté, le chat, lui, il panique, il ne sait plus où se cacher dans la maison, tellement il est terrifié. Au sud, les habitants de Newcastle verront aussi cette chose. À 21h, le poste de police n'en pourra plus. Une policière qui est en planque sur une route voisine, parce qu'elle chasse, pour ce qui la concerne, l'excès de vitesse. Donc, elle est toute seule dans sa voiture de patrouille, elle s'appelle Andy Sadoff. Ben, va voir quelque chose. Elle voit d'abord des lumières depuis sa voiture de patrouille qui se déplace sur une colline. Elle se dit c'est quoi, c'est peut-être un avion. Puis d'un seul coup, elle voit que c'est pas du tout un avion et que le bazar, ça vient dans sa direction. Et elle sent que c'est pour elle. Les femmes ont de l'intuition, là, elle se dit c'est pour moi. Et là, elle verrouille ses portes de bagnole et c'est effectivement pour elle. Ça va survoler son véhicule dans un silence absolu. Elle va quand même oser passer la tête par la portière et le truc reste net, immobile pendant 20 secondes. Et c'est totalement silencieux. Paniquée à l'alerte de ses copines et ses collègues à la radio, on lui a dit bah, on sait, hein, parce qu'on est submergé d'appels. Et puis, ça va durer longtemps quand même, s'il sort, parce que 8 minutes de temps. Et sa radio, ce qui est quand même très étrange, a toujours marché normalement. Aucun grésillement, elle a pu communiquer avec ses collègues, mais par contre, ce qui est amusant, c'est qu'elle avait son radar à main qui était juste à côté d'elle, elle n'a même pas pensé à l'utiliser. Alors qu'elle aurait pu avoir la vitesse de son déplacement et puis voir si c'était une masse solide ou pas, ce qu'elle ne pouvait pas distinguer à ce moment-là. Mais elle était en tel état de sidération, dira-t-elle, qu'elle n'avait aucun réflexe. Elle dira simplement que l'objet devait venir mesurer après 90 mètres, et quand ses collègues qui ont reçu des instructions viendront lui seriner que c'était une formation du ULM, elle va très mal le prendre, parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a vu, et ce n'était pas de l'ULM. Enfin, à 20h55, toujours sur la Taconique, ou près de la Taconique, là on y est, la Taconique Parkway, il y a une dame qui s'appelle Gloria Scalco, qui va rejoindre son domicile aussi, et là elle voit des lumières, et elle fait demi-tour, elle veut les suivre. Elle sort, elle va les suivre, c'est une aile gigantesque. Elle n'en revient pas, elle voit des tas de gens qui regardent sur le bas-côté, ils ont garé leur voiture. Et là, surprise, le truc qui est assez loin, d'un seul coup, c'est là. C'est au-dessus d'elle. Elle ne l'a pas vu se déplacer, c'était là-bas, c'est là, au-dessus d'elle. Elle ne sait pas comment ça se fait. Elle dit, c'est comme si l'OVNI avait sauté d'un endroit à un autre. Et une à une, ces lumières vont s'éteindre et il n'y a plus rien au-dessus d'elle. Et ça va se rallumer d'un coup, ce qui va lui donner un coup au cœur, vous imaginez. Elle va avoir la frousse de sa vie. Mais ce n'est pas fini cette soirée-là. 21h05, quelques kilomètres plus au nord, il y a un homme et une femme qui sortent d'un restaurant à Briarcliff. Ils roulent tranquillement dans leur voiture. Soudain, les fameuses lumières en forme de boomerang. Le truc est stationnaire, ça va se déplacer d'un point à l'autre. Alors ça, il y a pas mal de témoins qui verront faire cette manœuvre. Ça se déplace d'un point à l'autre pour venir se repositionner exactement au même endroit. Mais alors, le temps de le dire. Hein, excuse-moi, qu'est-ce qui se déplace, les lumières ou l'objet ? L'objet. L'objet. Voilà, parce qu'on voit d'abord des lumières au loin, puis après on se rend compte que c'est un objet. Et alors souvent, ça fait un déplacement avant de disparaître. Mais le déplacement, alors ça s'éloigne d'un point fixe où il était, ça revient... Ça se remet au point fixe et hop, il n'y a plus rien. Bon. En tout cas, quelques minutes plus tard, elle va voir l'engin réapparaître et passer lentement, bien loin, près de la Lune.
Elle dira que ça avait une structure extrêmement massive et que ça avait bien la hauteur de 6 étages. C'est quand même pas rien. Et durant cette nuit agitée, les observations vont se concentrer sur un secteur bien précis. 85% d'entre elles vont concerner une bande de territoire large de 5 km sur 20 km de long. Donc c'était du concentré. Hein. Et c'était surtout les comtés de Putnam et Westchester qui étaient concernés. Quant à la Taconic Parkway, alors là, c'est une route panoramique qui est très belle, hein, à travers cette zone, elle a été survolée on ne sait trop combien de fois par ces engins, ou 7 engins. Et on pense qu'il y avait 2 engins, précisément, parce que il y a des témoins qui vont voir ça précisément. Et il va se trouver à un moment qu'il y a eu des observations qui ont été faites à quelques kilomètres d'intervalle, de distance exactement, et on va s'apercevoir que ça ne peut pas exister. On ne peut pas voir à la minute près le même engin. Et certains témoins font certaines déclarations sur des détails qui laisseront à penser qu'il y en avait un qui était plus petit que l'autre. Donc il y avait certainement deux bazars ce soir-là. Et puis, il y a des gens qui vont être choqués en voyant cet engin extrêmement lourd qui se déplace très faiblement partir à des vitesses sidérantes et notamment pour venir survoler leur véhicule. C'est-à-dire, c'est loin et d'un seul coup, c'est là. Et les gens, dans ces cas-là, ils sont absolument effrayés. Effrayés par ces apparitions, ces disparitions. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'ils manipulent l'espace-temps ? Est-ce qu'ils sont capables de passer d'une dimension à l'autre et de revenir aussitôt ? Est-ce qu'ils harponnent les cerveaux pour leur faire prendre des vessies pour les lanternes, on ne sait pas. Mais ils sont capables de le tout, puisqu'on a bien vu avec les contactés ce que ça donne. Les gens, quand ils sont ferrés, bah, ils y vont, hein, même quand ils n'ont pas envie d'y aller. Voilà. Alors, il va y avoir aussi un boomerang à Putnam qui se trouve à proximité des Mescal, Carmel et Brewster. Ça, c'est dans le comté voisin, c'est 24 km au nord. Un certain Jim Holtzman, qui circule en voiture avec son épouse et ses 2 fils sur une route non loin de Cold Spring, va observer d'abord des lumières, évidemment, des rouges, des verts, des bleus, des blanches. Ça fera un boomerang à la sortie. Et puis, il stoppe sur le bas-côté pour observer. Pas de son. Et il dira, j'ai vu comme un fantôme. J'avais l'impression que c'était très bizarre, que c'était là et que c'était pas là. Une voiture qui arrive en sens inverse va aller se garer alors que l'OVNI est particulièrement immobile à quelques centaines de mètres, juste sous l'engin. Le conducteur sort pour voir et c'est là qu'il va se passer un truc qui va terrifier tout le monde d'ailleurs. Les lumières de l'OVNI se mettent à pulser, mais comme un stroboscope à une cadence infernale. C'est horrible, c'est immense et horrible. Ces lumières descendent stroboscopiques, ça descend le long des bras. L'homme est terrifié manifestement, on le voit de loin, le témoin le voit de loin, il remonte dans sa voiture et part en courant, enfin, pied au plancher. La petite famille du Sir Holtzman et lui-même remontent vite fait dans leur voiture aussi et ils démarrent pied au plancher. Mais voilà qu'en passant sous l'objet, parce qu'ils n'étaient pas dans le bon sens, ils vont se retrouver dans un bain de lumière éblouissant et qu'un des enfants qui est dans la voiture dira qu'il s'est senti à ce moment-là comme couvert de picotements au niveau de la peau, comme s'il y avait eu quelque chose d'électromagnétique peut-être qui l'avait affecté. Enfin bon, bref. À la même heure, exactement à la même heure, 20h30, un certain John Miller roule tranquillement. Lui, il est près de Brewster. Et lui, voit des lumières blanches. Et il y a un étang à côté de sa maison. Et qu'est-ce qu'il va voir au-dessus de l'étang? Eh ben, le bazar, là, immense. C'est énorme. C'est à 40 mètres au-dessus de la surface. Et ça émet des faisceaux. Des faisceaux très blanches qui vont se déplacer à la surface de l'étang. Et il va dire, j'ai eu l'impression très nette, que l'engin émettait des faisceaux de lumière très blanches pour chercher quelque chose au fond de l'étang. Il y a quelque chose qu'il cherchait. Donc il va se garer, il va observer, il va percevoir un très léger bruit, et puis il y a d'autres gens qui vont voir exactement la même chose. Il va y avoir un Joe Trangon, qui est agent mécanicien de maintenance sur des avions de tourisme, qui est prévenu par sa voisine qu'il y a un ovni au-dessus de sa maison. Ben, là, autre chose, donc il va voir. Et il voit effectivement un grand V avec des lumières colorées et un faisceau de lumière blanche qui d'un seul coup s'allume et descend vers lui. Il est terrifié. Il rentre chez lui et il discutera avec sa voisine au téléphone qui va lui dire « c'est rencontre du troisième type ». 20 secondes plus tard, pour autant, il ressort. Et à ce moment-là, alors qu'il était terrifié, hein, quand même bizarre comme comportement, moi si je suis terrifié, je ne retourne pas dehors, mais lui, il y va. Et il s'éloigne lentement dans la nuit. Et à ce moment-là, il va entendre un bruit, une sorte de ronronnement uniforme, comme le bruit d'une tondeuse à gazon qui serait atténuée.
Et il dira, bon, moi, je fais de la maintenance sur des avions de tourisme, je sais très bien que ce n'est pas une formation de petit avion, quand on viendra lui mettre dans la tête un peu plus tard que tout ça, c'est des petits avions qui s'amusent. Au-dessus du lac de Kirk, près de Maopac, là, va y avoir aussi quelque chose. À 21h30, un groupe de lumière sera observé par un homme et sa fille. L'homme est ébloui tellement c'est magnifique. Il commence par dire à sa fille qu'il s'agit d'un avion, puis il comprend tout de suite que ce n'est pas ça. Et ils vont tous les deux admirer dans une clairière ce qui se passe. C'est beau, c'est beau. Et l'OVNI fait le beau. C'est-à-dire qu'il se déplace lentement, il revient, et comme il est pressé, bah, le témoin s'en va, et il part à regret. Il part à regret, parce que c'était tellement beau. Alors la région de Maopac, il y a des petits lacs partout. Et de nombreux habitants diront avoir repéré des ovnis, et cet ovni en particulier cette nuit-là, et ils seront très inquiets parce que leur souci, c'est de dire et s'il était en train d'infecter les eaux du comté. Ils sont peut-être ces trucs-là en train de nous empoisonner nos eaux, donc ça va pas du tout. Et non loin de Carmel va arriver un jeune homme à qui il arrivera des tas d'aventures. Ce jeune homme s'appelle Marc Galli, il est chauffeur de bus de métier, il roule dans sa voiture sur l'Interstate 84, qui elle aussi est très fréquentée, quand d'un seul coup il voit ses lumières, et à 25 km de là, il voit des lumières à une ville qui est dans la direction d'une ville qui s'appelle Storming, qui est à peu près 24-25 km. Il s'y dirige, et quand il arrive là-bas, il y a un endroit à Storming qui s'appelle le Mont Storm, et c'est une petite station de ski l'hiver, et là, le truc est là, comme s'il l'attendait. Il est au-dessus de la piste de ski et il émet, il a des lumières blanches à la base, mais il émet tout en haut, il a une lumière rouge. Et ça éclaire tellement comme un faisceau que ça éclaire les nuages. La vision le réjouit. Oh, il aimerait bien qu'il se rapproche un peu pour mieux le voir. Oh, bah, aussitôt pensé, aussitôt fait. Immédiatement, le bazar s'approche et il a l'impression qu'on a lu dans ses pensées. C'est grand comme un terrain de foot, ça se déplace dans sa direction, donc d'un seul coup il est plus rassuré, il avait envie, puis là il n'a plus envie, parce qu'il se dit qu'est-ce qui va m'arriver. Il a eu l'impression à ce moment-là, comme d'autres témoins, d'être observé, scanné, donc il va reprendre sa voiture, il va partir à fond de train, et il dira qu'il était, après ça, bouleversé pendant un bon moment. Il va y avoir effectivement aussi ce soir-là des observations qui vont être faites à Danbury, qui sera très fréquentée aussi, qui se trouve dans le Connecticut. Et notamment, il y aura une rencontre, enfin une observation qui sera faite par Robert Golden, qui est un cadre d'IBM. Et lui, il dira, c'était énorme. Bon, il comparera ça à Boeing 747. Lui, il voit quand même, il commence par avoir 6 lumières blanches aussi. Et puis, il pense que c'est un hélico, vu que c'est stationnaire après. Alors, comme ça a des faisceaux, il se dit, bah, il cherche peut-être quelque chose, sauf qu'il n'entend rien. Ça ne fait pas de bruit. Alors il dit, c'est peut-être un agent, un truc d'une agence gouvernementale, un truc secret. Ah oui, sauf que quand le bazar va partir à la vitesse de la lumière, il va se dire quand même, on est peut-être en avance, mais peut-être pas à ce point-là quand même. Donc c'est pas un agent expérimental. En tout cas, tout ça, ça fait jaser. Et là, ça va être la grosse, comment dirais-je, le gros lavage de cerveau de la part des autorités gouvernementales, et en particulier de la FAA, qui soutient Mordicus et qui le soutiendra jusqu'au bout contre vents et marées, et même quand on lui démontre scientifiquement que ça ne peut pas être ça, qu'il s'agit d'un groupe d'avions et que ça serait des pilotes qui viennent de Stormville, précisément, où il y a un petit aéroport, qui s'amuserait à faire des blagues et à voler en formation la nuit. Et justement, ça va donner des idées, parce que dans les jours qui suivent, il y a un groupe de pilotes de Stormville, précisément, qui sont des sceptiques et des bons rigoleurs, qui vont s'amuser à partir de là à faire des petits vols en formation, éteindre leurs lumières tous ensemble, voler au plus près quand il n'y a pas trop de vent. Bon, alors tout le monde se dit « Ah ben voilà le truc !» Et puis en fait, comme ça fait un bruit de moteur d'avion, bon, ben, on sait très bien que ce n'est pas ça. Mais malgré tout cela, il y a des gens qui seront persuadés que c'est quand même... ça peut être un ovni, c'est l'inverse, vous voyez, enfin bon, c'est un peu bizarre, tous les gens ont la tête à l'envers. Et puis il va y avoir autre chose le 26 mars 83, et là c'est un jeune mécanicien automobile qui s'appelle Pollard, qui vit à Danbury, et lui il se dit ça y est, il y a un avion qui s'écrase, et puis d'un seul coup au moment où l'avion va s'écraser, va tuer le sol, pof, il voit remonter à la verticale, et il voit que ça s'arrête finalement, une certaine altitude, c'est un triangle allongé,
Et quand il verra plus tard qu'on dit que tout ça, c'est des avions en formation, il ne veut même pas en entendre parler. Il y a un certain docteur Albert Silbert également, diplômé de physique et professeur dans un lycée, qui verra ça aussi avec ses deux enfants. Alors lui, il va se garer pour observer. Il est très sceptique, ce monsieur, c'est un scientifique, il ne croit pas trop, il est dans une rue de sa ville, il n'est pas encore arrivé à son domicile, mais il va s'arrêter dans la rue pour voir. Et puis il va voir que ce truc-là, ça plane très bas. Et que ça va aller mettre sa pointe à 3 mètres de la cime des arbres. Ça rase vraiment les arbres, c'est pas rien. Et quand ça va survoler leur voiture, il est paniqué. Il a beau être habituellement rationnel et posé, il est dans tous ses états, surtout qu'il se rend compte que l'engin descend encore, mais légèrement. Et il se dit, on est foutu. Alors ce truc-là, ce n'était pas un truc gigantesque, ça faisait une vingtaine de mètres d'envergure d'une aile à l'autre. Hein. Mais il entend un petit bruit de moteur, mais il ne sait pas ce que c'est. Donc sa famille qui est dans la voiture n'est pas du tout rassurée, tout le monde hurle, tout le monde pleure, il va démarrer pour fuir. Sauf qu'il fuit, mais l'engin fait demi-tour. Et le suit. Et lui, il est pied au plancher. Quand il arrive chez lui, il est dans tous ses états, évidemment. Il ne voudra pas parler pendant longtemps pour ne pas qu'on le prenne pour un cinglé. Mais il dira que non, non, c'était un canular. Ces choses ne peuvent pas exister. Quelqu'un a dû dépenser pas mal de fric pour faire cette mise en scène, rendre le moteur silencieux, mais je ne veux pas y croire. Ce n'est pas des avions en formation, ça c'est sûr. Mais bon, hein, ça peut être tout à fait autre chose. Je suis sûre que c'est un pilote rigolard qui s'était amusé à peindre son avion noir, qui a fait des extensions sur les ailes, qui a mis quelques petites loupiottes, et puis voilà, quoi. Mais il dirait, il y a quand même quelque chose qui me chiffonne un peu. L'avion était très lent dans son déplacement. Et ça, c'est quand même pas normal. Un avion, il ne peut pas voler à cette vitesse-là sans tomber. Donc, il ne sait pas quoi. Mais il ne veut pas y croire. Il dira quand même qu'il croit à la théorie de l'ULM, parce que bon, ça rassure. Enfin, celui-là, c'est un scientifique pur et dur, et faut pas le prendre comme ça. Hein. Mais il aura quand même eu les jetons de sa vie. Le problème, c'est pourquoi un pilote montrait un tel canular. Ça n'a aucun sens, surtout que ça coûte de l'argent, certainement, et puis ça ne marchera pas. Hein. La même nuit, il y a un certain Bob McMahon, qui est étudiant Carmel, et lui, il est en voiture. Il est près de ce fameux barrage de Croton, où il y a un grand réservoir d'eau, où là, c'est un délice parce qu'on en a vu là-bas. Il s'intéresse beaucoup à l'eau. Lui, il voit un engin qui ressemble à planer. Mais alors, c'est très curieux parce qu'il n'arrête pas de remonter, de descendre et de faire des zigzags. Il se déplace comme un planeur exactement, avec un grondement subtil, très faible. Et ses lumières sont disposées de telle manière que ça ressemble à un boomerang. Bon. Mais ça fait des manœuvres très bizarres. Donc, quand on lui parlera du LM, il va éclater de rire aussi. Hein. Mais il y a des gens de la vallée qui diront « ça fait 3 ans que ça dure et qu'on a des ovnis sur le réservoir et le barrage de Croton Falls hein. ». Donc, évidemment, la police interrogée dira « mais non, c'est des avions en formation, mais non, c'est des ULM ». Bon, alors des ULM, déjà, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'au premier vent, ça tangue et il y a des jours où il y a eu de la tempête avec des vents à 50-60 km/h. Donc des ULM qui volent en formation, ça n'est pas possible. En plus, pour avoir des lumières à bord de cette nature-là, il aurait fallu sortir des lampes très lourdes, des câbles. L'ULM, il n'aurait même pas décollé. Voilà. Puis pour arriver à des vitesses aussi lentes, ce n'était pas possible non plus. Donc les experts en ULM vont s'exprimer dans les journaux en disant « arrêtez de nous prendre pour des billes ». Ce ne sont pas des ULM et ce ne sont pas des trucs qui volent en formation. Alors, ils vont trouver autre chose. Donc les autorités vont dire à un moment « ah ouais, mais ce que vous avez vu sur la Taconic Parkway, tel jour, le 26 mars en l'occurrence, eh bien c'est un groupe d'avions militaires qui volaient en formation. » Alors Stewart, c'est un avion, un ancien aéroport de l'US Air Force pendant la guerre, qui va être désaffecté, donc qui est rendu au commercial, mais qui va continuer à avoir un coin spécial avion militaire. Hein. Donc, alors là, le truc, c'est qu'ils ont décollé de Stewart, ils descendaient, je ne sais plus où, dans le New Hampshire, non, peut-être pas dans le New Hampshire, mais je ne sais pas où. Et donc, pour ne pas se perdre dans la nuit, ils suivaient la Taconic Parkway et les phares des voitures. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde, parce que c'est quand même pas ça en années 80. Il y a les radars qui existent depuis un temps. Et si les avions militaires suivent les routes éclairées la nuit pour pouvoir se diriger, où va-t-on hein? Bon. En tout cas, les auteurs enquêteurs plus tard iront
interrogé le sergent qui était responsable des vols militaires au départ de Stewart la nuit du 24 mars 83, qui confirmera qu'il n'y a aucun avion militaire qui a jamais décollé de son aéroport, que lui, au contraire, a reçu beaucoup de gens, en fait, d'appels de gens, carrément du harcèlement, qui lui demandaient ce qu'il y avait dans le ciel, ce qui se passait, et que bon, ce n'était pas des avions militaires, c'est évident. Et la FAA, les enquêteurs iront vers elle. Pas de réponse. Ça sera toujours la danse du ventre et l'échappatoire total. Et puis, il va y avoir un cas qui sera très, très intéressant, parce qu'on en reparlera sur un autre volet d'explication que j'ai à donner. C'est celui d'un certain John Wright. C'est un pseudo. Alors, ce gars-là, c'est un ancien policier qui est devenu agent pénitentiaire. Lui, il est à côté du mont Storm, à Stormville, où il se passe souvent des choses. Il est avec deux ados qui sont ses voisins. Et d'un seul coup, il voit le boomerang. Ça vient tout doucement et ça se déplace au-dessus de sa voiture et il a une Jeep ce soir-là et c'est une soixantaine d'altitude et lui, ça l'intéresse parce qu'il ne croit pas au phénomène. Il dit ça, je suis sûr que c'est un truc, c'est une blague, quoi. Donc, il veut voir ça de plus près. Et puis, l'ange allait survol et puis après, il s'arrête. Donc, c'est immobile. Et puis, je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit dans le livre, mais on dirait presque que le truc s'est posé à un moment. En tout cas, c'est à ce moment-là que Wright va dire aux jeunes, vous restez dans la voiture, moi je vais voir ce que c'est. Donc il s'en va. Il va s'approcher de l'engin et là il va dire des choses très intéressantes. Il va constater que ces nombreuses lumières, parce que c'est des... où il est posé, où il est sur la pointe, vous voyez, mais il va voir que ça semble être des hublots, ces lumières. Et il va regarder dans certains d'entre eux et constater que l'habitacle de l'engin est envahi par des lumières de toutes sortes qui flashent. Et il dirait que c'était des lumières folles. Mais il n'arrive pas à distinguer clairement, parce que ça fait des grands flashs, la source de ces flashs, qu'il va comparer à ceux d'appareils photo. Mais il préciserait que c'était assez particulier dont les lumières flashaient. Et ça donnait le sentiment qu'il y avait quelque chose en même temps qui se déplaçait à l'intérieur de l'engin. Mais en fait, qu'en même temps, il n'y avait pas de mouvement à l'intérieur. C'était curieux, il n'arrivait pas à comprendre comment ça marchait. Il s'est rendu compte que les flashs provenaient de l'intérieur du tube, qui se trouvait dans l'engin, puis il dira que la structure de l'engin était extrêmement sombre et que la lumière des flashs ne se reflétait pas sur la surface, ni la lumière de phare de voiture, ni rien du tout. C'était complètement mat et non réfléchissant. En tout cas, quand il va revenir vers la Jeep, les deux ados sont complètement affolés et la jeune fille hurle de frayeur en disant qu'il faut partir, il faut partir, il faut partir. Quand ils vont quitter les lieux, l'engin va décoller, il va se diriger vers l'Interstate 84. Wright va la suivre, il a de la suite dans les idées. Et là, ils vont voir tout s'éteindre, on voit la forme qui se déplace dans le ciel et puis plus rien. L'engin avait la dimension d'un stade de foot. Quand il va se retrouver chez lui, il va revoir les lumières qui se mettent à monter, à descendre, en sautillant à angle droit, dira-t-il. Et puis, bon, après ça, ça s'arrête, il va se coucher, et là, il va faire un rêve très bizarre. Très, très bizarre, comme ça arrive des fois aux gens qui ont eu des contacts. Et il se voit à bord de ce fameux ovni avec ses deux jeunes voisins à côté de lui. Puis il va voir qu'il y a cinq êtres qui ne sont pas vraiment grands, qui ont des grosses têtes. Et il va passer un examen médical. Et on en reparlera du songe de cet homme parce qu'il va être mis sous hypnose régressive. Et c'est très intéressant ce qu'il racontera et ce qui se passera dans cette régression. Le 31 mars 83, ça continue. Le chien d'une certaine Sandy Hook est déchaîné. Il est 20h30. C'est un gros Danois qui pèse 80 kilos. Et là, il est toujours calme et placide, ce chien. Et là, il est épouvantable. Elle n'est pas rassurée parce que son mari n'est pas là. Et puis, le chien aboie tellement qu'elle finit par voir ce qui se passe. Elle se lève et elle va dans la cuisine. Et là, à travers la fenêtre de la cuisine, elle va voir un immense engin en forme de V, très, 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 très brillant. Elle dirait que la lumière était cuivrée. Elle se demande ce que c'est. Elle se dit, c'est peut-être un camion, mais c'est tellement grand, puis ça n'a pas de sens, un camion. Et puis, elle va allumer la lumière extérieure. Et aussitôt qu'elle allume, pouf, plus rien, ça s'éteint. Donc, elle se dit bon, elle va tout éteindre chez elle, l'ovni va se rallumer, et là, elle peut voir. Et quand elle va rallumer, il va repartir. Alors, elle n'est pas bien. Elle a l'impression, elle aussi, que l'engin l'observe, qu'il sait absolument tout ce qu'elle fait,
Jamais elle a ressenti une telle impression d'intrusion que ce soir-là. Ça va durer 20 minutes, la plaisanterie. Et dans les jours qui vont suivre, elle sera toujours très angoissée. Et elle va expliquer à Inès et compagnie que, bien plus tard, qu'elle est restée cachée après dans la maison. Elle a tout éteint. Elle avait peur qu'on la voie. Et qu'à un moment, tout au début où elle s'est mise dans le noir, l'objet a projeté un large faisceau lumineux jusqu'au sol qui paraissait émaner de son centre. Et elle a eu l'impression qu'il cherchait quelque chose en dessous. Alors en dessous quoi? En dessous la terre. En tout cas, c'est resté très intense ce faisceau. La lumière changeait de couleur. Elle a voulu appeler la police. Elle aurait bien aimé que quelqu'un soit avec elle. Bon, elle ne le fera pas. Elle va appeler son beau-frère qui va arriver au galop. Et à peine quand elle aura raccroché, après avoir appelé le beau-frère, le truc va s'en aller. Disparu, comme ça, comme s'il n'avait jamais été là. Et son chien de 80 kilos, il ne voudra pas sortir le lendemain. À partir de là, il va être très, très inquiet, ce chien. Et alors, en avril 83, ça continue. Une femme avec son fils de 10 ans qui va se retrouver également confrontée à ça, avec des lumières qui vont descendre. Ils vont être effrayés. Hein. Elle va téléphoner à la base aérienne voisine à Windsor Locks pour dire ce qu'elle a vu. Et ben, on va lui dire qu'il n'y a eu rien de spécial. Hein. Et puis le problème c'est que cette dame-là, elle n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est que en février précédent, alors qu'elle était en train de circuler sur la route 83, elle a entendu une sorte de grondement et elle va voir trois objets brillants et multicolores. Ça avait la forme de V et ça volait très bas. Elle s'est dit, oh, c'est peut-être des avions militaires. Et puis une autre fois, en allant dans le Massachusetts, rebelote, elle verra encore des lumières extrêmement bizarres. Et puis on arrive à un témoignage extrêmement détaillé, qui est celui d'un certain Jim Cook. Alors lui, il va évoquer ce qui lui est arrivé le 28 octobre 1983. Lui est un ingénieur biomédical, il a 30 ans, il rentre chez lui un soir à Maopac, il est 2h15 du matin, donc il est très tard. Et où va-t-il? Il doit passer par Cotton Falls, comme d'habitude, et dans un virage, les lumières. Donc il se dit, c'est quoi ça? Il voit ça à travers les feuilles des arbres et il se dit, oh, ben, c'est peut-être un avion, quoi. Puis arrivé à la hauteur du barrage de Cotton Falls, ben, il voit arriver des lumières qui vont venir tout de suite se positionner près du barrage et ça s'éteint. Tu sais quoi ça? Il va garer sa voiture derrière des arbres puis il va descendre. Il va descendre jusqu'à la rive pour voir ce qui se passe. Et à une soixantaine de mètres de lui, il voit une immense masse sombre qui est en position stationnaire, à 5 mètres au-dessus de la surface de l'eau. C'est triangulaire, ça n'émet absolument aucun son. Il n'entend que les bruits de la forêt. C'est alors que 9 lumières vont venir s'allumer au bord du triangle, ça ressemble à des LED rouges, comme on trouve sur les écrans digitaux de la télé, vous savez, quand ça reste en veille et tout ça. Et il voit sortir à ce moment-là, de dessous la base de l'objet, une sorte de faisceau de lumière rouge. Et il ne sait même pas si c'est de la lumière ou si c'est solide. Ou ça fait comme une lumière solide, en fait. Il se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Ça se balade à la surface de l'eau, ça a l'air de sonder. Et l'engin va se déplacer à 4 endroits différents sur le plan d'eau. Et à chaque fois qu'il stoppe, le fameux faisceau sort. Alors, il dirait que c'était peut-être une sonde qui interagit avec l'eau. Et à plusieurs reprises, il va voir ce système projeté comme des écrans de lumière sur l'eau. Une sorte d'écran. Alors, qu'est-ce que c'est? Il dira, c'était comme si la sonde était à la fois derrière cet écran et dedans. Si vous avez déjà regardé à travers des ombres infrarouges, vous pourrez voir la distorsion de l'arrière-plan derrière elle, et ben voilà à quoi ça ressemblait, ce que je voyais. Et en 84, ça va succéder, ça va continuer. Le 21 mars 84, un homme verra dans son reflet de rétroviseur de son camion quelque chose. Alors ça, c'est pas mal du tout. Il s'appelle Gordon Gerber. Il est chauffeur routier qui part d'Albanie. Il prend l'autoroute 84, que je crois que tu as pris, comme moi d'ailleurs, en d'autres temps. Et il descend à la hauteur de Woodbury. Tu sais comme moi que de jour comme de nuit, il y a de la circulation, et notamment des camions, parce que ça monte sur les Grands Lacs et sur le Canada. Donc on n'est pas tout seul. Donc, cet homme-là, il part à 20h pour redescendre vers le sud, quand d'un seul coup, il est ébloui par une lumière dans son rétroviseur. Juste une chose, j'en profite.
toutes les cartes, tout ce qu'on avait préparé, les photos, je les vais inclure dans le à la bonne place dans le, dans la vidéo. Comme ça, les gens vont s'y retrouver. Voilà. D'accord, ok. Donc, il est ébloui par cette lumière dans son rétro et il ne sait pas ce que c'est. Donc, il regarde dans le rétro, il voit vaguement une lumière, puis plus rien. Et d'un seul coup, peut-être 5 minutes plus tard, ça vient sur sa gauche. Alors, il est surpris parce qu'il venait juste de regarder, mais dans la demi-seconde avant, sur la gauche, il n'y avait rien. Et là, il voit un truc qui vole bas. Et il dirait que ça volait avec grâce, comme une montgolfière. Ça se dirige droit sur son camion. Et là, il a les chitons. Parce qu'il se dit, ça va percuter, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, il va freiner. Hein, en se disant, j'ai pas envie de le heurter, et il commence à être effrayé. Et en fait, c'est une sorte d'immense boomerang qui vole très très bas. C'est constitué de lumière rouge, blanche, c'est aligné tout le long de ses ailes, avec un fuselage très sombre. Et il dira que le fuselage était mat, ça brille pas, c'est gris foncé, c'est noir. Et bon, ça a l'air d'avoir une certaine consistance, c'est pas des lumières assemblées. Hein. Et voilà que sa radio se met à parasiter à mort, il l'éteint, et il baisse sa vitre. Et là, surprise, il n'y a pas un bruit, rien. Il y a d'autant moins de bruit qu'il n'y a plus personne d'un seul coup sur l'autoroute. Plus rien. Le truc se rapproche, ralentit sa vitesse, et le suit, au-dessus, 25 km/h. Et le truc suit exactement la même vitesse. Alors il dit, c'est peut-être un agent, un truc expérimental de l'armée. Alors, ça l'enthousiasme, ça. Mais bon, quand même, l'objet manœuvre, continue à se positionner sur son camion. Là, il est à 30 mètres d'altitude. Et là, il réalise que ça, c'est plus grand qu'il avait vu. Ça a au moins la taille d'un 747. Et surtout, ses ailes couvrent entièrement les deux voies de l'autoroute. À tous les deux sens. Hein. Et il voit les lumières et ça semble tourner comme dans un prisme, avec des couleurs plus pures que celles qu'il a vues de sa vie, je dirais. Que faire? S'arrêter? Ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il est tout seul. Étrangement, il n'y a plus une voiture, plus un camion sur cette autoroute, alors qu'il n'est que 20h30. Ben ça, c'est déjà arrivé. C'est arrivé plus d'une fois où d'un seul coup, on se retrouve seul au monde. L'angoisse l'étreint à ce moment-là. Il sent que comme une sorte de truc désagréable. Il se dit, mais si c'était hostile, il a l'impression d'être observé, scanné. Alors là, il ne faut pas qu'il s'arrête, il faut qu'il s'en aille. Et là, il a mis le pied sur le champignon, autant qu'il a pu. L'engin va le suivre pendant 5 minutes. Et puis, d'un seul coup, il détourne le regard, il était comme ça, il détourne le regard, plus rien. Disparu, scotché, hein, le bonhomme. Voilà, donc il y a des tas de gens qui vont signaler des trucs au mois de mars 84 et ça n'arrête pas. Alors je pourrais en donner encore des tas d'exemples parce qu'il y en a, il y en a un paquet. Et à Bedford, un soir où ça se bouscule au portillon et où ça, tout le monde voit le même truc multicolore, il y aura une quarantaine d'appels et les policiers maintenant ils se cassent plus la tête. La FAA a dit: ce sont des pilotes en formation. Donc, quiconque répond au téléphone aux policiers, ils répondent: ce sont des pilotes en formation. Donc, il y a des gens qui s'énervent, évidemment, parce qu'ils n'apprécient pas du tout. Ils ont l'impression qu'on se paye leur tête. Il y a quand même des policiers de cette ville de Bedford qui vont aller quand même enquêter parce que ça les intrigue. Puis, il faut quand même qu'ils répondent aux populations. Et là, ils vont voir l'enjeu. Et là, ils se rendent compte quand même que ce n'est pas une formation d'avion ou d'ULM. Quoi que ce soit, tout ça c'est du flan et c'est du bourrage de crâne. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce soir du 24 mars où il y a eu quand même pas mal de choses? Ça a encore été très violent, si je puis dire, au niveau des passages au-dessus de la Taconic Parkway. Ça a inquiété notamment un certain Armand Favilla, qui va voir ce truc-là, qui va garer sa voiture, qui dirait que ça glissait comme dans l'air, et que c'était pas normal. Et ensuite, il va y avoir un autre endroit, Bedford, qui va être repéré. Il y a un homme qui dira avoir vu une aile delta qui se déplaçait en faisant des changements de cap et des virages très serrés. Et ce qui va l'étonner, quand le truc fait un virage, lui, il est pilote. Donc, quand un avion, il vire, il fait ça.
Et bien, le truc, il vire à l'horizontale et il pivote. Et il s'en va. Donc ça, c'était quand même assez particulier. Près du Mont Cisco, à côté de Carmel, très fréquenté là aussi, vingtaine d'appels. Et il y a des flics qui sont partis chasser l'OVNI. Bon, ils sont arrivés nulle part, mais bon, voilà. Mais en tout cas, quand la police de Carmel sera interrogée sur ces événements-là, bah, on dira, bah non, il n'y avait rien. Ouais, alors il y a peut-être quelques policiers qui diront à part, bah oui, c'est passé un petit quelque chose, mais on ne peut pas le dire. Hein. Enfin, il y a quand même un lieutenant de police qui dira, oui, oui, il y avait un truc, ce n'était pas un appareil conventionnel. Et ce soir-là, le Marc Galli, le fameux chauffeur de bus, qui avait vu au-dessus de la piste de Stormville, la piste de ski, un truc qui éclairait les nuages en rouge, bah, ça va recommencer pour lui. Il va à nouveau voir une apparition exactement le même engin que celui qu'il avait vu. Au moins, ça ne change pas au niveau du scénario. Et puis, il y a des tas de gens qui vont voir d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Parce que j'ai même pas fait la moitié de mon exposé, là. Donc, non, mais c'est pas grave. Il y a déjà du lourd. Alors, on va parler d'un triangle au-dessus d'un lac. Ça m'intéresse parce que vraiment, les lacs, ça les intéresse. Donc, vous avez un type qui s'appelle Jim Grimsley, qui est photographe professionnel. Et vous allez voir ce qui va lui arriver. Lui, il est 6h20, le 25 mars 80... qu'est-ce que je raconte? Il est sur la route 6 et il est 20h45 sur la... Il est où, là? Il est non loin du barrage de Cotton Falls et on est le 25 mars 84. Et qu'est-ce qu'il voit? Un groupe d'une dizaine de lumières blanches qui viennent du sud. C'est à la forme d'un beau grand, comme d'habitude. Il va être ébloui, il se protège les yeux et il va voir, apercevoir une structure sombre qui évolue à 150 mètres. Et d'un seul coup, ça va le survoler. Lui roule à 50 km/h à l'époque. L'engin cale exactement sa vitesse sur la sienne, puis il change de direction et va sur le barrage de Cotton Falls, tout proche. Le témoin va filmer, il est photographe. Et il va voir ce truc évoluer sur les eaux du bassin, une centaine de mètres de la rive. Et là, c'est assez intéressant. Parce que quand l'objet semble sonder, toutes ces lumières qui sont multicolores commencent à clignoter. Alors, il va zoomer sur l'engin, il filme. Hein. On voit qu'il est gris et terne. Il va filmer 10 minutes. Ça fait une centaine de mètres d'une extrémité à l'autre. Puis d'un seul coup, plus rien. Volatilisé. Et il regarde l'heure du tableau de bord, il a pensé que ça a duré 10 minutes. Ah non, il manque une heure là. De retour chez lui, il visionne son film et sur l'image, on voit clairement la structure de l'objet. On entend le bourdonnement. Ah, il est content. Youpi, je vais pouvoir monter ça à mon copain qui est diplômé de physique et qui travaille sur les lasers. Donc, il veut pas oublier son film. Il va aller le voir le lendemain matin, il le met dans sa voiture, dans la boîte à gants ou je ne sais trop quoi. Puis après, il va voir le copain. Quand il arrive chez lui, l'autre, il regarde, ben, il n'y a rien sur la bande. Elle est totalement vierge. Alors notre bonhomme, la veille, a oublié de verrouiller sa voiture, mais quand même. Mais son copain va lui dire ça. C'est quand une vidéo, un film est soumis à... un champ puissant électromagnétique, ben ça fait des bandes vierges. C'est probablement ce qui est arrivé. Alors, on peut rapprocher le cas de Grimsley à celui de Jim Cook, qui a été témoin au même endroit, à ce barrage de Cotton Falls, de ce scanner sur les eaux. Donc, il va y avoir encore des choses. Le 24 avril 84, une femme qui est avocate, qui verra un truc. Le 31 mai 84, il y a eu un petit break, puis ça a recommencé. Toujours sur la Taconic Parkway, là, tout le monde est là. Hein, il y aura des gens qui vont dire que ça ne pouvait pas, parce qu'ils étaient nombreux là, ce soir-là. Hein. Ils ont vu quand même vachement de trucs. Et à un moment, il y a un vaisseau qui est là, et c'est là qu'il y a des avions qui arrivent. Là, ils entendent les moteurs d'avion qui se dirigent vers le vaisseau. C'est quand même assez particulier. Il y a un groupe d'avions en formation qui se sont dirigés directement vers le vaisseau. Pourquoi ? Le vaisseau, en tout cas, va faire des manœuvres très, très bizarres et puis il va disparaître. Le 11 juin, rebelote dans les cieux de Putnam,
Et il va se passer un truc assez cocasse parce que le conseil municipal de la ville de Newcastle, ce soir-là, est en train de se réunir dans son assemblée générale, il est 21h30, quand d'un seul coup, un agent de police arrive, il y a un ovni au-dessus de la mairie. Bon, très bien. Donc tout le monde dévale l'escalier pour aller voir, sauf que quand ils vont arriver, bah, il n'y a plus rien. Donc on va contacter la tour de contrôle de l'aéroport de Westchester, qui va dire que bon, il y a pas grand chose quoi, ils n'ont pas vu grand chose, non. Et puis il y a plusieurs policiers qui ont vu l'OVNI, là c'est plus pareil. Et donc il va dire aux enquêteurs plus tard qu'il a entendu à la radio que les gens signalaient des lumières de partout dans le ciel et qu'il avait dû prévenir ses supérieurs que lui avait vu l'engin aussi. Et qu'il y a un lieutenant de police qui s'appelle Peterson aussi qui ferait une remarque au sujet des lumières. Il a dit que ça n'émettait pas de faisceau. Il n'y avait pas de faisceau ou de rayon de lumière comme des projecteurs ou comme une grosse lumière. C'était comme si c'était des lanternes chinoises qui ne sont non rayonnantes. Ça éclaire, c'est lumineux, mais ça ne rayonne pas. Donc le policier en question, Peterson, va donner un appel à la tour de contrôle de Westchester et il va faire écouter la conversation aux enquêteurs et il a enregistré la conversation qu'il a eue avec le contrôle aérien. Et il explique que ses services ont reçu des tas d'appels des habitants du secteur, on voudrait savoir ce qui s'est passé. Tout le monde a vu les lumières, y compris lui et d'autres, et ses supérieurs. Le contrôleur va lui répondre que ce sont sûrement des avions. Le policier va être ferme, ce ne sont pas des avions. Et l'autre va lui dire, écoutez, dites aux gens qu'ils ont vu des avions. Hein, quand ça suffit. Ça, c'est sur une bande et bien enregistré. Le policier va quand même lui demander si quelque chose était apparu sur l'écran radar de la tour de contrôle. Oui, 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 il n'y a pas de souci, on l'a vu. Sauf qu'on l'a perdu de vue très vite. Il a dévié et il est parti. Il lui dit, alors qu'est-ce que c'était? Réponse étrange du contrôleur, c'était des avions, c'est du moins ce qu'on m'a dit. De toute façon, il n'y a rien que nous puissions faire et le raccrocher au pif. Cerise sur le gâteau. Quand les enquêteurs vont joindre par téléphone la FAA pour en savoir davantage, ils ont écouté l'enregistrement, eux. On va leur répondre que ce n'est pas possible, que la conversation n'a jamais eu lieu. Avec le lieutenant Peterson, tout ça. C'est une erreur de sa part, il a fait un faux numéro. Et il y a quelqu'un, un petit blagueur, qui lui a répondu que c'était la tour de contrôle alors qu'il s'était trompé. Donc ils vont réécouter la bande. Première chose que dit la bande, tour du contrôle de Westchester pour se présenter. Donc il n'y a pas photo. Donc les enquêteurs, donc Aynette et compagnie, vont demander après au responsable de la FAA s'ils pourraient consulter le registre des radars pour vérifier s'il n'y a pas eu quelque chose d'anormal de ce soir-là. Il y a eu quelque chose d'anormal qui a été enregistré. Jamais ils n'auront de rendez-vous. Jamais il y aura de contact. Jamais quand on tentera de joindre le responsable, on arrivera à l'avoir. On dit à chaque fois qu'il est sorti. Et le lieutenant de police Peterson sera profondément déçu d'apprendre tout cela. Il dira, si cet engin peut venir ici et faire ce qu'il veut, j'aimerais savoir où sont les défenses du gouvernement. Et effectivement, c'est grave. Donc ça va continuer. Va continuer à y avoir des observations. Deux pilotes, il y en aura le 13 juin. Il y en aura le 14 juin. Des gens qui sont sceptiques aussi et qui continueront à croire que c'est des avions ou que c'est pas ça. Il y en aura également le 24 et 25 juin 85. Une petite fille qui verra ce truc qui se met à tourner et qui fait comme une grande roue, elle croit qu'elle a la fête foraine, elle est ravie, elle a 9 ans, c'est tout lumineux, c'était bien joli. Et puis, ça va recommencer, par exemple, sur ces trucs qui bougent très vite ou qu'on ne voit pas disparaître et qui réapparaissent. C'est un Ralph Troccoli, le 24 juin. Il est à Peekskill, où il se passe beaucoup de choses. Il y a la centrale d'Indian Point qui est juste en dessous. Qu'est-ce qu'il y a encore? À ce niveau-là, il y en a encore. Moi, je ne sais pas l'heure que tu donnes. Donc... Et ça fait quelle heure? Il me reste combien encore? Ce que tu veux, mais je voudrais juste savoir combien de temps encore tu... Et je n'en ai pas la moindre idée, je peux encore abréger, vite fait, on va passer à autre chose. Oui, allons vers... Mais je vais faire mon mieux. Hein. Oui. Donc ce gars-là, il va dire, c'était de petite taille, l'instant d'après, c'était gigantesque. Dans le même temps, on va voir des croix volantes, des X lumineux, à Montrose, dans le comté de Winchester. Ça va être filmé, et les films sont excellents. Donc, on a pu avoir des preuves. Il va y avoir des gens qui vont dire « Oh ben oui, mais c'est des pilotes de chasse qui savent faire des choses. » Il va y avoir un expert.
du gouvernement, consultant auprès du gouvernement, qui va examiner les films et qui va dire non, même des pilotes très chevronnés sur des appareils spéciaux ne peuvent pas faire ce genre d'exploit. Alors on va dire à la FAA, ben voilà, on a des preuves. Et jamais il n'y aura personne au bout du fil. Puis un jour, la secrétaire ICD leur dira « La politique de la FAA est d'affirmer que les ovnis n'existent pas et nous ne recueillons jamais de témoignages. » Bonne soirée. Le 12 juillet, c'est reparti comme 14. Il y a un couple qui ne va pas être déçu du voyage en passant sur la Tatonique Parkway près du lac de Croton. Et il s'appelle Bulsockel. Il voit une espèce d'arche, ils vont voir ça. C'est une sorte de cercle allongé. Très bon, on dirait des colliers de perles, hein, à partir d'un certain moment. Ce n'est plus vraiment des V, ni des... Non, non, c'est très beau. Et lui, il va regarder ça, et il dira que c'est... Il sera extrêmement précis, parce qu'il étudie les ovnis depuis son enfance, donc il a un carnet de notes, et il va noter à la seconde près tout ce qu'il voit. Donc ça sera une précision absolument extraordinaire, cette description, extrêmement utile. Pour les enquêteurs, évidemment. Il va y avoir un ingénieur qui travaille pour une société de fabrication d'appareils pour la NASA qui ne va pas être déçu non plus, qui fera une description très particulière de l'OVNI. Et il dira qu'il semblait transparent en son milieu, on voyait le ciel au travers, et il avait l'air dénué de substance. Voilà ce qu'il dira, très exactement. Puis on va voir des trucs qui perdent de l'altitude, qui montent. Bon. Puis il y a des policiers qui ne veulent rien savoir quand on leur parle d'OVNI. C'est des farceurs qui s'amusent, il faut arrêter les conneries. Tout ça, c'est de la connerie. Les OVNI, ça n'existe pas. Bon. Puis ça continue. Ça continue. Et là, va y avoir un truc qui me plaît bien. C'est le lac Candlewood. Parce que ce lac, il est réputé depuis des années, on a déjà vu sortir des bazars de ces eaux. Et il est très souvent survolé. Et voilà ce qui va se passer. Il va se passer quelque chose avec un policier qui s'appelle Nelson Macedo. Vers 23h, alors là on est au mois de juillet 84, le 12 juillet, il pêche sur son bateau, sur le lac, avec 6 personnes. Il est en train de plaisanter à propos des ovnis, puisqu'il y en a partout, évidemment, et il raconte ces fameux ovnis qui sortent de temps en temps du lac. Il raconte ça à la cantonade, et là, son neveu lui dit « Regarde, regarde, regarde !» Il y a un objet circulaire gris, terne, qui se déplace à haute altitude. Il est très visible parce que c'est une lutte pleine lune, ça éclaire. C'est entouré de lumières multicolores, brillantes, régulièrement espacées, qui tournent, ça tourne tout doucement. Il est en vol stationnaire au-dessus d'eux. Donc, tous éteignent les lumières du bateau pour mieux le voir. Peut-être par précaution aussi, sait-on jamais. Et hop, dès qu'ils éteignent, les lumières de l'OVNI s'éteignent aussi. Silence de mort. On décide de rallumer la lumière, l'OVNI rallume les siennes. On rééteint, ça rééteint. C'est assez marrant. Puis l'objet va disparaître en s'éloignant tranquillement. Nelson Macedo dira ce soir-là, aux 12 policiers de ses amis qui ont vu l'OVNI aussi, que c'est absolument ahurissant. Et donc, bon, il y a un autre policier qui, lui, habite pas très loin de l'usine du site industriel de Union Carbide, près de Dunbury. Lui, alors, c'est un enfer. Tous les chiens du quartier vont devenir dingues quand le truc va passer. C'était un vrai désastre. Alors, le lac de Candlewood, j'en ai parlé, mais il y aura un truc qui est très intéressant. Il y aura, le 24 août 84, un habitant de Dunbury qui a déjà vu un engin au mois de mars. Et il va le revoir à côté du lac de Candlewood, alors qu'il est en train de longer le lac. Il voit arriver un groupe de lumière, il croit que c'est un avion en difficulté, comme d'habitude, il garde sa bagnole. Et en fait, ce qu'il va voir, même pas 60 mètres de lui, une structure sombre, sous sa base, 6 lumières jaunes qui émettent une lumière très vive, et il dit que ce n'est pas un avion et qu'il est terrifié. Et d'un seul coup, il dit « je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai l'impression que je me trouvais à bord du vaisseau ». Car ce n'était pas un avion, c'était un genre de vaisseau, ça m'a analysé, et ensuite, comme je n'ai pas plu, peut-être ça m'a rejeté. Effectivement, dans la seconde qui a suivi cette impression désagréable, l'engin s'en va et il file à une vitesse qui dépasse l'entendement. En 2 secondes, on ne le voit plus. Et quand il va rentrer dans sa bagnole,
Bah, il pensait que ça avait duré 2 minutes, l'observation. Bah, non, ça a duré beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire une demi-heure. Voilà. Donc, à cet endroit, il se passe des choses. Plus d'une fois, il y a des gens qui ont été, comment dirais-je, étonnés par ce qu'ils voyaient. Et alors, par exemple, tiens, on va parler d'un certain John Byrne qui va repérer près d'une colline proche des lumières. Il a vu des gens, alors ça c'est très intéressant, vous allez voir, il a vu des gens qui sont garés et il dit tiens, c'est peut-être un avion de touriste qui est en train de se crasher. Donc il s'est garé. Mais au moment où il veut allumer ses phares avant de se garer parce qu'il a vu ce groupe de gens, il veut écraser personne, paf, panne de batterie, plus rien. La voiture n'avance plus. Les gens qu'il va voir quand il va discuter avec eux, ils vont leur dire « Ah bah nous, nos batteries ont lâché, donc on attend que ça se passe, mais il y a quelque chose, vous voyez, bon, bah, c'est peut-être ça. » Donc c'est un engin triangulaire. Et puis, d'un seul coup, ça disparaît. Et d'un seul coup, il voit une lueur près d'une colline, on dirait un feu. Et il se dit, c'est un avion qui s'est crashé, ça. Alors, il dit, je vais aller y voir. Et les autres, ils disent, oh, bon, nous, on n'y va pas. Vous y allez si vous voulez, nous, on n'y va pas. Il va marcher 400 mètres, il est dans la forêt. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il voit? Se déplaçant à travers les arbres. Un objet triangulaire comme celui qui était dans le ciel, sombre. Il dit, j'ai l'impression de voir un fantôme. Comment c'est possible? Pas un bruit, pas un souffle, pas un craquement de branche. Il voit ce truc comme un fantôme. Puis ça s'arrête. Et il voit s'approcher de l'engin une silhouette humaine, en combinaison sombre, avec des bandes d'aspect métallique au niveau des bras et de la taille. Il se cache derrière un buisson pour observer. L'homme ne l'a pas regardé, s'il l'a vu, il ne l'a pas vu. Donc il est planqué. Et là, il dit, cet homme ne s'est pas tourné en direction de mon buisson, mais je sais qu'il m'observait, qu'il me regardait. Et à ce moment-là, j'ai entendu dans ma tête des pensées qui n'étaient pas les miennes, qui m'intimaient de ne pas m'approcher davantage. C'est à ce moment-là que l'homme, qui faisait une taille moyenne, a levé le bras en regardant dans cette direction comme s'il lui disait « salut ». Et là, il s'est passé un truc incroyable, il y a eu un flash rouge. Et l'homme a disparu dans le flash rouge, comme si une fente s'était ouverte qui était rouge, et le vaisseau s'est immédiatement volatilisé. Notre témoin en est revenu comme de rond de flanc. Il est revenu sur la route, il a retrouvé qu'un des trois individus, enfin il y en avait quatre au départ, un homme et trois hommes et une femme, et il en a retrouvé qu'un qui lui a dit « je vous attendais, hein. J'ai été choisi pour vous attendre et m'assurer de votre retour, choisi ». C'est curieux ça, hein. Il va lui demander ce qu'il a vu, mais John Barry ne lui dira jamais rien. Il le dira qu'aux enquêteurs plus tard. Et lui aussi, il dirait que toute cette région du lac de Candlewood est très fréquentée et qu'il y a vraiment beaucoup d'ovnis là-bas. Et il y aura des problèmes à Bethel. Et puis, il va y avoir un truc qui va prendre un policier. Le 12 juillet à 21h30, toujours cette foutue soirée, il y a un policier qui braque la torche vers un ovni. C'est comme d'habitude le même bazar. Hein. Et là, l'ovni émet une puissante lumière blanche qui va entourer le policier, une dizaine de personnes. Puis la lumière va s'éteindre et s'éloigner. Et là, ça commence à intéresser les journaux. Ça commence à bouger dans la presse et on va interviewer les gens de l'AFA. Alors les militaires, ils seraient plutôt à dire pas trop, mais ils nient pas, ils ne racontent pas les avions en formation. Mais jusqu'au bout, les responsables de la FAA diront « Non, c'était des ULM, des avions, des hélicos, tout ce que vous voulez, et tout ça. » On continue. Il va y avoir des RR3 un peu particulières, à plusieurs reprises. Et il va y avoir un homme qui s'appelle Mark Purdy, qui est à côté des communes de Danbury et Brewster, lui voit un disque. C'est pas un avion habituel. Hein. Ça a 500 mètres d'altitude, c'est pas un ovni habituel. C'est éblouissant. Il a juste le temps de regarder son tableau de bord qui marque 23h30. Il se sent mal. Et puis il va y avoir cette lumière qui va l'éblouir à nouveau, un puissant faisceau. Il disait que c'était si intense que ça faisait comme un voile blanc.
ça va durer 3 secondes, il ressent une chaleur, il dira c'est comme si j'avais un micro-ondes. Et puis ça va s'éteindre, il va rentrer chez lui, il va raconter ça à son frère qui est là, sa petite copine. Et puis, il a fort envie de poursuivre cet ovni et puis de le fuir en même temps. Puis ça va continuer. Le 19 juillet 84, il y a des tas de témoins qui vont voir ça. Le 24 juillet également. Va y avoir également, les auteurs enquêteurs vont faire quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, ils commencent à venir dans le coin et à faire des conférences. Et ils vont faire visionner la vidéo qui dure 3 minutes. Au-dessus du lac, il va faire visionner ça à des chaînes de télé, à un agent du FBI qui est là à la conférence, un mec de la NSA, divers militaires. Il y a des officiers de haut rang, un capitaine et un colonel de la base de l'US Air Force de Portsmouth et dans le New Hampshire. Tous ceux-là vont dire « Ouh, mais on n'est pas en tant que militaire, hein, on est là en tant que simple visiteur civil ». La police de l'État de New York a été convoquée, invitée plus exactement, comme la FAA, là, personne ne viendra. Et puis, cette fameuse vidéo, on va la faire visionner à un technicien de la chaîne ABC. Et le gars, il dit, à chaque fois que je la regarde, je la sers de poule. Et cette vidéo, on va l'envoyer au docteur John Baker, qui est un scientifique de l'université de West Coast en Californie. Il va analyser, il va dire, c'est pas une formation d'OVNI, il n'y a pas d'explication. Il y a la Jet Propulsion Laboratory de Pasadena en Californie qui va analyser la bande, objet impossible à identifier. Et ce sera exactement ce même objet qui va être vu au-dessus de la centrale nucléaire d'Indian Point. J'y viens. Donc, Indian Point, centrale nucléaire. On sait maintenant que Hynek et ses comparses enquête. Donc les gens téléphonent beaucoup et vont recevoir un appel d'un gardien de la centrale nucléaire d'Indian Point qui va attirer leur attention. Elle est située, cette centrale, à côté de Buckingham, au sud de Peekskill, où il y a eu beaucoup d'apparitions. Et il va expliquer que lui et ses 11 collègues ont aperçu un ovni au-dessus de la centrale. Les auteurs étaient au courant parce que des gens qui vivaient proches avaient vu la centrale survolée par deux fois par des ovnis. Et lui, il va expliquer qu'ils ont vu un grand ovni resté en vol stationnaire à une centaine de mètres d'altitude au-dessus de la cheminée du réacteur numéro 3, ce qui avait causé une panique affreuse à l'intérieur de la centrale et que leur chef d'équipe leur avait dit si ça approche trop, vous tirez. Bah, les auteurs enquêteurs vont être conviés par ce gardien pour le 5 septembre 84 à la centrale. Et au dernier moment, le gardien va annuler le rendez-vous parce que le siège régional de l'énergie nucléaire a dit qu'il n'en est pas question. Donc, c'est la déception. Finalement, pour des raisons que je ne développerai pas, il va y avoir une rencontre dans un restaurant à deux reprises pour que tous les gardiens soient entendus. Le premier entretien aura lieu le 12 septembre dans un restaurant à Peekskill et il y en a 3 qui parleront sur les 6, donc ça se passera en 2 fois. Que vont dire ces 3 premiers gardiens? Qu'à 22h15, le 14 juin, alors que lui, ce gardien qui a prévenu, il fait sa visite de routine au réacteur numéro 3, voilà qu'il voit un groupe de lumière tirant sur le jaune qui se dirige vers la centrale. Ça se rapproche jusqu'à 400 mètres du site, il y a une progression constante qui va durer 10 minutes. Immédiatement, quand il voit ça, il appelle ses collègues par radio, il y en a 2 qui vont venir sur 3, et ils vont observer les lumières durant 20 minutes. L'engin est en vol stationnaire à 400 mètres de la centrale, au-dessus d'un parking qui est juste un maximum de 25 mètres. Le maximum de 25 mètres de haut a l'air ridicule à côté de l'engin, qui est constitué de 10 lumières en forme de boomerang, comme d'habitude, très éblouissant. Et puis d'un seul coup, ils s'aperçoivent que c'est solide et que c'est énorme parce qu'il y a un avion qui passe derrière. Et là, il n'y a pas de comparaison. Au bout de 15 ou 20 minutes, l'objet se meut très lentement, 15 km/h, et il repart vers Peekskill. Il dira que ce n'est évidemment pas des formations d'avion, et que ça l'a vraiment impressionné, surtout quand l'objet a viré pour s'éloigner, parce qu'il a pivoté sur lui-même à 90 degrés, comme s'il était posé sur une roue invisible. Deuxième observation. 24 juillet de la même année, l'agent dit qu'il a d'abord été alerté par un collègue qui a hurlé que l'OVNI était revenu. 5 agents se précipitent, dont un supérieur.
Il vient de la même direction que le 14 juin. Cette fois, ces lumières n'arrêtent pas de changer de couleur. De jaune, elles deviennent blanches, elles virent au bleu. Et elles sont disposées dans une sorte de demi-cercle avec une lumière rouge clignotante qui paraît un peu plus en arrière que les autres. L'engin se rapproche à 150 mètres de la centrale. Il y a un gardien qui est à l'intérieur, auquel on donnera le pseudo de Karl. Et il dira que ça ressemble à une sorte de cône de crème glacée dont la taille est équivalente à 3 terrains de football. Super cône de glace. Et l'objet se rapproche, et se retrouve au-dessus du groupe des gardiens qui sont dans l'enceinte de la centrale, postée près du réacteur numéro 3. Et là, Karl fera remarquer, depuis son poste de commande, de surveillance, qu'il a choisi le bon réacteur parce que c'est le seul qui marche ce soir-là. Mais ça l'inquiète. Et ça inquiète surtout le chef, qui est dans la cour, au pied du réacteur, en train d'observer, parce qu'il y a du vent ce soir-là. Et il dit, si le truc est balayé par le vent et qu'il tombe sur le réacteur, on est mal. Parce que le truc va venir jusqu'à 10 mètres du réacteur. Donc, il donne l'ordre de tirer au cas où. Il y a un autre agent qui sera entendu par les enquêteurs qui s'appelle Milton. Il va dire qu'à ce moment-là, il se trouve à l'intérieur de la centrale, au poste de contrôle, devant les caméras de surveillance. On va lui demander de diriger une caméra qui se trouve au-dessus d'un poteau à une trentaine de mètres sur l'engin qui est juste à côté. Et là, on pourra voir dans le détail, il y a une vidéo qui a été enregistrée, mais après, on nous dira que ça n'existe pas, cette vidéo. Donc, il y a 8 lumières brillantes disposées en forme de V, un peu arrondies comme un demi-cercle, moins puissantes que celles d'un phare d'approche d'avion. Mais l'engin était immense. Un stade de foot, ou l'équivalent d'un C5A, qui était le plus gros avion du monde à l'époque. La structure est solide et le gardien dira « J'ai eu le sentiment qu'il voulait se montrer. » En tout cas, ça ne le dérangeait pas de le faire. Observation un quart d'heure. Un troisième agent va confier que ce jour-là, l'engin en forme de boue grande qui avait une structure sombre avait vu comme deux boules creuses à sa base. Et il a dit « Ah, bah tiens, ces grosses boules avec des grands trous, ça pourrait faire sortir d'autres engins. » Et effectivement, c'était plutôt rare, mais il y a des gens qui ont vu sortir de ces trucs-là, des tout petits engins qui sont partis à toute vitesse. Au cours d'un second entretien avec d'autres gardiens qui aura lieu le 5 octobre 1984, les dires seront corroborés par tous les collègues. Et on aura la confirmation qu'il s'est bien approché du réacteur numéro 3. Et à ce moment-là, tout le système de la centrale, le système de sécurité, a immédiatement vrillé et cessé de fonctionner. Plus de système d'alarme, détecteur de mouvement éteint, ordinateur chargé de gérer les systèmes de sécurité de communication terminé. Très inquiet, le chef qui surveille ce soir-là contacte en urgence la base de la garde nationale de l'État de New York, qui est à 16 km, pour signaler qu'il y a un objet et qu'ils ont des soucis. Il demande qu'on leur envoie vite fait un hélico pour abattre l'engin. Il a à peine raccroché que l'engin file très loin. Le lendemain, leur supérieur les convoquerait et leur dira « Vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé, bien évidemment. » Les autorités gouvernementales affirmeront plus tard qu'il n'y a eu aucune vidéo de l'objet, ce qui est absolument faux, puisque ça a été enregistré, bien évidemment. Et après cet incident, des officiels de l'agence de surveillance et des sites nucléaires se rendront à la cour centrale et toutes les installations de sécurité à ce moment-là seront modifiées. Et Karl Patrick est l'employé qui était au système de contrôle ce soir-là et qui a filmé l'objet, dira une journaliste de la station de radio du Mont Cisco qu'il y a eu des polices d'enquête, des enquêtes de police, et que oui, il y a eu effectivement ça. Il y aura eu qu'une. À un moment, on leur dira qu'il y a des pilotes qui sont venus. En fait, c'était des Cessna qui étaient venus en formation, et pas du tout un OVNI. Mais ceux-là, ils n'auront été jamais arrêtés, puis de toute façon, ça ne sera jamais leur nom. Donc, tout ça, c'est une énorme blague. Et ils iront à la centrale, donc un jour, quand même, nos amis Heineck et compagnie. Et quand ils reviendront, eh ben, ils auront droit à quoi? Le 5 octobre 84, à des lumières vers la nuit. Voilà. Donc il y aura d'autres apparitions, mais il y a quelque chose dont je veux vous parler, parce qu'il va y avoir des communications avec une torche aussi, hein. C'est-à-dire que je fais trois coups à la torche et l'OVNI il fait trois coups. Je voudrais vous parler des rencontres très rapprochées, parce que ça s'est pas, pour terminer, ça s'est quand même pas passé comme ça.
Et ça, c'est quand même très bizarre. Il va y avoir des choses, des gens qui ont été approchés de très près par ces intelligences. Jen, une femme qui vit dans le comté de Westchester, va rapporter qu'une nuit d'avril 83, elle a été réveillée en sursaut par un faisceau de lumière qui venait de sa fenêtre. Elle s'est retrouvée immédiatement intégrée dans le faisceau de lumière, où elle va ressentir une sensation extrêmement désagréable. Celle que le faisceau la pénétrait. Je ne vous fais pas un dessin. Elle a choqué profondément. Elle est paralysée de la tête aux pieds. Ça va durer 10 minutes. Elle a la terrifiante impression qu'on fouille à l'intérieur d'elle-même, que tout est sondé. Puis elle va avoir des images dans sa tête, des flashs de différentes couleurs. Elle a l'impression qu'on tente de lui parler. Puis tout à coup, il y a une image fixe qui lui apparaît. Et elle voit un être dans sa tête qui a une peau comme de l'argile, dira-t-elle, une grosse tête et des yeux immenses, ni cheveux, ni bouche. Et la vision lui assure par transmission télépathique qu'elle ne risque rien, qu'elle est simplement en train de subir un test, que ça fait partie d'une équipe d'explorateurs. Ils font partie tous d'une équipe d'explorateurs qui étudie les humains. Juste après, elle perd connaissance. On se réveille le lendemain. Elle est complètement bouleversée. Elle sait très bien ce qu'elle a vécu, qu'elle ne dormait pas, que ce n'était pas un rêve, que c'était bien réel. Mais comment parler de ça sans passer pour une dingue? Finalement, elle parlera à Hynek et compagnie. Elle parlera pourquoi? Parce qu'elle se sent tellement désemparée, elle a peur que ce truc-là s'attaque à sa fille. On va lui faire une hypnose régressive. Et elle ne voudra pas. Elle ne veut pas voir plus, d'être tellement choquée qu'elle ne veut pas, ce qui est compréhensible. Même mois d'avril 83, une autre femme dénommée Hélène, qui vit dans le comté de Westchester, réveillée en sursaut en pleine nuit, elle entend une voix masculine. Elle tente de réveiller, dans sa tête, hein. elle essaye de réveiller son mari, qui ne se réveillera jamais d'ailleurs, et elle voit à ce moment-là que son réveil marque 2h du matin. La voix qu'elle entend est toujours aussi pressante, presque autoritaire, et ça dit « N'ayez pas peur, nous ne vous ferons aucun mal ». Et là, elle découvre que ce n'est pas dans sa tête, mais que ça sort d'un radio-réveil qui est posé sur sa table de chevet. Elle ne comprend pas, parce que le radio-réveil est éteint. Pourtant, il cause. Et pourtant, bah ça, on l'a vu avec Stan Romanek, hein. C'est une spécialité, les trucs qui marchent tout seuls. Et à ce moment-là, elle voit à travers le Velux des flux multicolores qui succèdent. Elle entend un léger bourdonnement et elle est effrayée. Je dis, il y a quelque chose au-dessus de la maison. Elle veut se lever, c'est pas possible. Les gens ne répondent plus. C'est comme si un point invisible était sur elle. Il l'empêchait de tout mouvement. Et à ce moment-là, un rayon de lumière va traverser la lucarne et l'envelopper, elle et son mari, et fouf, ça les emmène. Lui dort toujours comme un loir quand il le voit. Le lendemain matin, 8h, tous les deux se réveillent. Ils ne sont pas bien, ils sont de mauvais poils. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit, alors qu'en fait, non. Et elle va dire à son mari ce qui lui est arrivé. Et lui est complètement retourné, parce qu'il dira avoir rêvé, avoir été emmené dans un ovni. Il va évoquer un rayon blanc qui l'a emmené. Ils décideront tous les deux d'un commun accord de ne pas parler de l'incident jusqu'à Skynet, évidemment. Et alors, il va y avoir le fameux rêve de John Wright. Vous vous souvenez, cet homme qui circulait avec deux adolescents à côté de Stanville et qui a eu l'impression de voir à l'intérieur d'un ovni. Régression hypnotique, il va accepter et on le fait revenir sur son rêve. Parce qu'il a fait un rêve après, où vous voyez des créatures. Hein. Donc, il se retrouve à bord du vaisseau, mais pas tout seul, avec les deux jeunes. Il dira que le vaisseau planait, puis que l'instant d'après, tous les trois se trouvaient à l'intérieur. Il verra à ce moment-là, dans ce rêve, qu'il avait vu ce qui se passe, 5 personnages en train de s'affairer dans une sorte de panneau de contrôle. Ils mesurent environ 1m60, ils ont des crânes volumineux, de petites bouches et de petites oreilles. Ils sont vêtus de combinaisons noires, boutonnées sur le devant. L'un d'eux va s'approcher et va lui dire « N'ayez pas peur, nous n'allons pas vous faire de mal. » Et ils vont avoir droit aux examens médicaux, une sorte de genre de test qui mène afin d'étudier la population, diront-ils, de la région. Ils se diront scientifiques avec une mission sur la planète Terre qui est pacifique. Il va y avoir aussi une session d'hypnose qui les démontrera que l'intérieur du vaisseau est rempli de gros ordinateurs de couleurs différentes qui clignotaient partout. Et le témoin, Don Wright, dira « J'avais mal aux yeux en la regardant ». Les êtres vont l'asseoir dans un fauteuil et faire quelque chose, mais quoi ? Avec différentes machines ou des instruments tout le corps. Les deux enfants vont également être installés dans les fauteuils, vont aller voir super les mêmes protocoles que lui. Et à plusieurs reprises, les êtres diront pour le rassurer qu'ils ne veulent pas de mal.
C'est alors que, boum, sans transition, il va se retrouver dans la Jeep en compagnie des deux ados terrifiés qui hurlent, la gamine qui veut rentrer à la maison, etc. Et c'est là qu'il voit l'engin s'éloigner. Alors, Wright va être très déconcerté par cette saison parce qu'il dit que ce n'était pas un rêve, finalement. Mais il ne pensait pas voir les deux jeunes avec lui. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que la régression, elle est interrompue au milieu, parce qu'ils sont en train de faire des examens, et tac, d'un seul coup, c'est fini. Je pense que ces êtres-là sont capables de vous chinter le cerveau bien comme il faut pour pas que vous vous souveniez. Alors, de temps en temps, ça passe, puis il y a des moments, il y a des limites à ne pas dépasser. Et je pense qu'on n'a pas été au bout de l'examen, vous voyez ? Enfin, ça, c'est mon avis. En tout cas, à l'époque des faits, le jeune Jack était âgé de 16 ans, sa sœur Hélène de 13, et les enquêteurs, Aïnek et compagnie, vont retrouver le gamin, Jack. Et lui va bien vouloir parler. Et il va corroborer en tout point les dires de Wright. Il va dire qu'il a fait le même rêve, que sa sœur Hélène a fait le même rêve, qu'ils se sont retrouvés tous les trois à l'intérieur du vaisseau face à 5 personnages dont ils font une description très précise, ainsi que l'intérieur du vaisseau. Et au détail près, ils diront la même chose que Wright. Alors, est-ce que Wright et compagnie a réellement rencontré les occupants dans le vaisseau? Ont-ils été amenés tous les trois à penser à cela? Parce qu'il y a quand même l'influence psychique. Il va y avoir une autre régression très intéressante, celle de Monique Audriscoll, dont je rappellerai que c'était une infirmière en psychiatrie qui, le 26 février 1983, circulait en voiture avec sa fille dans la région de Brewster quand elle a vu un ovni boomerang. Celle-là, vous vous souvenez, elle a regretté de le voir s'éloigner et quand elle y a pensé, aussitôt le truc est revenu, comme si sa pensée était captée. 2 mois plus tard, en avril, elle prend même son chien non loin du lac Carmel et elle voit d'étranges lumières. Et elle remet son domicile, mais ça, il y a un missing time de plus d'une heure. Hein. Elle va contacter plus tard Bud Hopkins, qui va la mettre sous régression. Une fois qu'elle tombe en conscience altérée, elle se voit se mettre au lit, se relever peu à peu pour aller fermer une fenêtre. Elle voit des lumières à travers les branches d'un arbre. Elle se rhabille, sort de chez elle pour aller prendre une photo. À cet instant, l'ovni qu'elle voyait, qu'elle distinguait, disparaît. Elle regagne sa chambre et comme elle ne parvient pas à dormir, elle va regarder par la fenêtre. Là, elle voit une grosse lumière à l'endroit où elle a vu un peu plus tôt le groupe de lumière. Là, elle est hypnotisée. Et elle sait que cette lumière, elle ne peut pas y résister. Elle s'en rend compte, hein. Elle tente de détacher son regard. C'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle regarde. Et là, elle voit comme des étincelles très bizarres qui fusent tout autour. Elle se sent mal à l'aise, elle referme ses rideaux pour ne pas voir, et elle veut dormir, mais elle n'y arrive pas. Voilà qu'elle se rhabille et qu'elle ressort de chez elle. Elle part avec sa chienne, elle descend vers le lac, là où est la lumière. À ce moment-là, elle se sent de plus en plus épuisée, avec l'impression désagréable d'être nulle part. Elle ne reconnaît plus les lieux, elle ne voit plus sa chienne d'ailleurs. Elle est si faible que ses jambes ne la portent plus. Elle a l'impression de ne plus être à l'intérieur de son corps, dira-t-elle. Elle ne voit plus le lac, elle ne voit plus les arbres. Puis elle a comme une pression énorme sur la poitrine, comme si quelqu'un était assis sur elle. Elle n'est pas bien, elle n'est vraiment pas bien. Il y a surtout cette vibration qui est à l'intérieur de son corps. C'est très désagréable. Puis maintenant, elle sent qu'elle est allongée. Elle a les yeux fermés, elle ne se décide pas à les ouvrir. Bud Hopkins, qui a réussi à faire qu'elle se détende, lui demandera de les rouvrir, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas, elle a peur de voir ces choses. Et il finira par lui dire qu'ils étaient gris, qu'ils étaient chauds et qu'ils avaient des doigts très fins. Qu'elle les verra se déplacer, toucher les tableaux, des sortes de guides, des potentiomètres. Qu'elle avait quelque chose de plat et de rond qui lui causait cette affreuse oppression sur la poitrine. Et qu'elle était finalement cette chose reliée à une sorte de bras qui était reliée à autre chose. Il y aura 4 gris, dira-t-elle. Enfin, ce qu'elle décrira, c'est ça. Un seul est à ses côtés. Et après, quand on n'a plus ce truc sur la poitrine, elle va aller mieux. Elle se sent reposée, mais soudain, elle ne voit plus rien. L'instant d'après, elle se retrouvera près du lac à rechercher sa chienne, qu'elle retrouvera sur la rive et elle rentrera chez elle, épuisée, désorientée. Et la régression menée par Bud Hopkins ne permettra pas de déterminer ce qu'aura réellement subi cet abducté à bord du vaisseau. Vous remarquerez qu'il y a toujours une limite. On voit, mais pas jusqu'au bout. Ils ont cette capacité à influencer les pensées, à rentrer dans la tête des gens, à bloquer les mémoires des proies. C'est absolument affreux.
Un jour, Bud Hopkins dira à Ivec et à ses deux acolytes d'être persuadés que ces intelligences se trouvent à bord des vaisseaux et qu'ils recherchent des gens. Dans les années qui suivront, Driscoll rencontrera à 5 reprises les enquêteurs pour leur signaler des observations. Il y aura encore un épisode de son temps manquant. Elle ne voudra pas avoir de nouvelles séances de régression. D'ailleurs, elle se souviendra au moins d'un voyage en vaisseau toute seule où elle subira des examens. Et ce qui intéressait ses aides, c'était son cœur et son système circulatoire. Alors, cette vallée de Dixon, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, mon sentiment, pour faire simple, alors j'aurais des tas de choses à dire, mais j'ai pas le temps. Mon sentiment, c'est que il y a eu des enlèvements de masse. Alors, souvenez-vous quand même que quand j'avais raconté Linda Cortill, c'est ce qu'elle avait dit. Elle avait dit à New York, sur le rive de l'Hudson d'ailleurs. D'ailleurs, les gens attendaient sur l'Hudson et on avait vu des ovnis qui rentraient dedans, qui ressortaient. Elle avait dit que c'était un moment d'enlèvement de masse. Eh bien, je pense qu'il s'est déroulé à plusieurs reprises dans cette région de l'État de New York et du Connecticut exactement la même chose. Ceux-là qui sont venus, bon, toujours cet esprit de gris assez désagréable, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes méthodes habituelles que les gris. Et surtout, je pense qu'il y a eu également ce désir de vouloir se montrer, de défier, de se montrer aux populations comme ils provoquent, l'air de dire, bah, écoutez, nous sommes là, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous sommes là, et c'est nous qui décidons. Et si on veut disparaître comme ça, on disparaît. Si on veut apparaître comme ça, on apparaît. Si on veut se mettre dans votre tête, on télépathise avec vous, mais on ne sympathise pas. Et on s'occupe de vous, mais on fait des expériences sur vous. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Parce que quand vous regardez la technologie de ces vaisseaux, c'est quand même extrêmement impressionnant. Et je me demande si ça ne serait pas une autre espèce de grille. Parce que je pense qu'il y a des programmes où certaines espèces travaillent entre elles ou se tirent dans les pattes, ça dépend. Mais il y a un programme sur notre humanité, c'est à peu près certain. Et ceux-là étaient probablement des scientifiques. Et ça me rappelle ce que dira une certaine Linda Porter quand elle a côtoyé des mantes. Elle a vu également des grands gris. Et on leur a dit que c'était des scientifiques. Et des gris qui avaient des positions et des postes de haut niveau. Ça me rappellera un petit peu ce que Romanek a dit aussi à un moment. Je pense que c'est une espèce tout à fait à part et très technologiquement peut-être un peu plus avancée que ce qu'on a déjà, et pourtant ils sont déjà pas mal, qui est venue. Et c'est peut-être effectivement des scientifiques qui viennent examiner le cheptel, voir si tout va bien, voir comment on évolue, mais je ne crois aucunement, surtout et de plus en plus, à la gentillesse des extraterrestres. Même quand ils sont beaux, qu'ils ont l'air gentils, et plein de prévenances à notre égard. Je n'en crois pas un mot. Voilà ce que j'avais à dire.